prêt? Vas-y. Allez, Assassin's Creed Unity in 3, 2, 1. Et salut à tous, c'est Tips Iron, je suis en compagnie de Tips Wimpy. Yo les gens. Et donc aujourd'hui on se retrouve sur Assassin's Creed Unity, le dernier de la série de Ubisoft à succès. Ubisoft Montréal. Voilà, alors donc pour l'instant on se met vite fait en facecam histoire que vous nous voyez. Donc moi comme vous pouvez le voir j'ai... Je vous kiffe les gens. Donc j'ai donc pris deux casques, j'ai pris... Y'a pas l'air con. Le triton pour... ouais, voilà. J'ai pris le triton pour rec mon son, mais je l'ai pas mis sur les oreilles, parce qu'il y a, sinon il y a un bip insupportable qui me pète les oreilles, donc j'ai plutôt pris celui-là pour le son du jeu, et puis le son est meilleur de toute façon. Tu crois pas que tout le monde s'en fout. Ferme ta gueule. Non mais j'explique, parce que sinon je vais passer pour un con. Donc j'espère que vous avez la pêche, parce que nous, ouais, un max. Et bah c'est parti, on va y aller. Hein. Ouais, je lance juste mon jeu. T'es prêt à appuyer sur une touche là. Non, moi j'ai pas lancé le jeu, moi je suis toujours sur Steam. Moi je m'en bats les couilles, je t'attends pas. Let's go. Il est passé où? Ah si, il est là, putain. Ah, une magnifique cinématique, je pense. Ah, moi ce que je kiffe, c'est le logo Ubisoft. Pas perdu. Juste ça. Le passé vit en nous. Donc voilà, je vais couper... Les expériences, je vais vous couper la caméra parce que ça va être ça servir à rien. Et surtout, ça va me faire chier au niveau du montage si je veux sortir la vidéo plus vite. Nos ingénieurs ont on coupe la caméera la? Non. Ouais, on veut... Non, moi je laisse ma tête. Ah non, moi j'ai coupé. Ouais. Je vous aime, les gens. Mais non, parce que tu vas devoir me l'envoyer, il va y avoir 3 heures. C'est bon, je peux tirer encore un petit au revoir. Allez, tire encore. Pour un divertissement. Faut tirer. Oh là là, cette intro. Comme ça, c'est Ubisoft. Elle est magnifique, l'intro. Simple bouton. Les plus attends, j'ai quand même coupé ma caméra. Donc, ça, c'est l'intro de la le confort de votre domicile. Donc, je coupe ma caméra. Allez, c'est une jambe dans le jeu. Elix. Non, attends, par contre, j'ai un peu baissé le son du jeu. D'accord, genre, Elix, c'est une nouvelle version de l'anime. Ça doit être... 2 mois plus tard. Ah, et là, c'est le 14 juillet 1789 à tous les coups. Je crois que c'est ça. Hein. Oula, là, ça l'a. Ça l'a gamin. Mais comment toi, ça peut ne pas laguer? Je crois qu'on est le 10. Je crois que c'est la Révolution française. Le 14 juillet 1789. Les gens descendent dans la rue. Avec le drapeau tricolore. Et donc Guillaume, on s'échappe bien là de la Révolution française. Okay. Monsieur en cours, vous cachez des gardes. Mais j'appuie sur A, tu te fous ma gueule? D'accord, il faut qu'on bute les gardes. Ok, il va falloir qu'on bute les gardes à coups de machette. Attention. D'accord. YOLO. T'es sérieux? Bon, heureusement que les gardes sont un peu moins bien que lui. Hein. Hop, un petit combo et c'est bon. Et voilà. Bon, t'as prévu d'ouvrir la porte un jour? D'accord, on a des potions. Oh putain, ils ont des armes à feu. Boom. Je fais que ça les retenir, tu te fous de ma gueule. Bon par contre il n'y a plus les scènes, tu sais quand tu jouais les yeux avant t'avais des putains de comment ça s'appelait? De scènes où tu pouvais complètement humilier les gars. Tu pouvais quoi? Où tu pouvais complètement humilier les gars en les plantant de manière super. Ouais. Merde, ok, on va faire demi-tour mine de rien. Merde.
On va s'enfuir, mine de rien, on a plus beaucoup de vie. Non, 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 Ezio, qu'est-ce que tu me fais là? Enfin, Arnaud. Ouais, c'est la prise de la Bastille. Allez, on s'en va. Yo, lo, je m'enfuis, je m'en, oula. Ah merde, ils ont fermé la herse. Merde, 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 merde. Ok, il va falloir qu'on s'enfuise par là. Ok, on court, on court, on court, on monte. Allez, allez Arnaud, t'es un assassin. Putain, on se fait tirer dessus, merde, merde, mec, grouille, monte, monte, putain. Allez. Je pense que là, courir pourrait être une bonne idée. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ah merde, c'est parce que j'ai peut-être l'habitude de la course libre de MW. De MW. Oh là là, je confonds tout. De Assassin's Creed 2. Ok. Merde, 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 merde. Ok, il va falloir la buter. Oh merde, je suis mort. Le con. Oh putain, mon perso, il a fait un de ses trucs en mourant. J'en ai marre qu'il m'appelle merdeux. Il va t'appeler longtemps, merde. Hein. Putain, et ta manette. Bon, donc au final, c'est moi qui filme. Bah ouais, hein. Même sans filmer, ça lag. Ah, ok. Eh, c'est insupportable. Entrer dans une zone non autorisée, merci, merci, tu m'aides. Attends, j'ai de la vie ou pas? Ouais, j'ai full life. Hop. Faut faire assez attention. Ah si, là, il lui a foutu une botte. D'où? D'où tu m'attaques avec une arme comme ça? Allez, lâchez vos armes, tu te fous de ma gueule. Ah, t'as vu le menu avec tous les trucs? Le menu. Genre, avec tous tes objets, etc. Non. Il n'y a pas des... Vas-y, exécute-le. Oh, énorme! Eh, j'ai vu une de ces scènes, elle est énorme. Genre, t'as Ezio qui monte sur le gars. Enfin, tu sais, le gars, il est à moitié mort. Il monte sur lui. Il lui fout un gros coup de pied dans la gueule. Et puis là. Franchement, c'était énorme. Ah, je sais pas où est-ce que t'en es, toi. Là, je viens de sortir de la prison. Ok. Je me... Je, tu te rends? Tu te rends? Ok. On te butera quand même, de toute façon, hein. Là, on va avoir du mal à descendre. Putain, ça lag trop. Fonce. L, B et RT. Ça, tu vois tout le... Oh, mais les caméras sont magnifiques. Ubisoft présente Assassin's Creed Unity. Merde, mais il est où ce con? On aura mis un peu de temps à arriver, cette présentation. Mais on l'a eu. Parce que le Japon... Mais on l'a eu. Je pensais que tu ne viendrais pas. Pourquoi ce revirement? Parce que le Japon. De fuir mes échecs. Monsieur de la Serre, mon père, je tiens à me racheter. La mort du grand maître de la Serre pèse sur ta conscience. Pourquoi? Est-ce toi qui tenais la lame? Mais d'où y a un? Quelle importance? J'en porte quand même la faute. Pourquoi il parle dans une autre langue, putain? Enfin, un jeu français, je lui parle dans une autre langue. Oh, elle est trop stylée, là faut que je fasse une screen. Allez, capture d'écran sauvegardé. De quoi? Tiens, y a un plan qui est trop stylé. Quand t'es de dos et qu'il te parle? Ouais. Es-tu prêt à suivre la voie de l'aigle? Oh non, drink it. Ils veulent que je drink. Alors bois. Drink. Drink it.
Et là, c'est du putain de poison. Et tu Et le jeu se meurs. termine. Et fin du jeu, merci d'avoir payé ce jeu. 60 T'as euros, ça marqué fait quoi sur le truc 50 ans travailler fraternel? dessus. Ouais. Oh fuck! Me dis pas ce que Qu'est-ce ça qui fait, me m'arrive? dis pas ce que ça fait. C'est de la drogue. Ah d'accord, tu deviens bourré. Putain, t'es sérieux, gars? What the frick? Ouais, quand t'es bourré là, tu te revois dans. Oh, what the frick? Oula. Oulala. Ouh, on peut bouger. Pourquoi il y a une grotte lumineuse? Oh, va voir dans la grotte, c'est le Japon. C'est vrai? Ouais, c'est le Japon, la Attends, grotte. je filme en plus là. Mais non, mais tu vas pas sauter. Mais pourquoi il saute? Mais il est ouf! Mais Qu'est-ce mon qui Dieu! m'arrive? Oh putain, gars, c'est le Japon! Mais qu'est-ce que tu fais, What le Japon? the fuck? Vas-y, film. Ouais, là, je filme là. T'as ma voix, t'as What ta voix. the fuck? Ouais, il y a nos deux voix. Et non, il va Ok. pas sauter. Si. Oh non, gars. Oh putain. Pourquoi on traverse les tableaux? Je vais te bousculer. Mais me dis pas! Non, mais tu vas voir. Pourquoi la glace elle vole? Oh putain, je t'entends même plus tellement les sons, ils sont forts. Oh, C'est c'est vrai? trop stylé. Oh, c'est énorme. Allez, 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 allez. Ah, c'est énorme. Boum, les gamins, je les pousse, je m'en bats les couilles. Mais oui, voilà, moi, c'est ce que j'ai fait. Tu vois, y Ouais. avait Elise qui était petite, et je suis arrivé, je l'ai bousculée, et elle est tombée par terre. Je te jure. Son ombre, tu vois, je l'ai bousculée, Oh ça. putain, j'ai. Eh, mais t'as vu l'église qui s'effondre, c'est magnifique! Regarde, c'est trop stylé, tu vois, après, c'est trop stylé. Quand t'arrives à la porte là? Oh, c'est magnifique. RT et B pendant la glissade. Oh, c'est énorme, putain. Aïe, aïe, aïe. Oh putain, tu tombes! T'as de la lave en fusion en dessous de toi! C'est Mais. Mais énorme. pourquoi? Mais le Japon! 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 Non! 42! Oh putain, l'église elle tombe! Mon père, il meurt devant moi. Mais me dis pas! Attends, Mais j'esquive ta les trucs! gueule, tu m'as spoilé le début. J'esquive les geysers! Lama! Tu peux Lama! ralentir en appuyant sur B. Père, attention! Ah, il se fait buter! C'est qui le bute? Un assassin. Je vais te buter! Oh putain, ton père Oh. il disparaît! La What drogue! the fuck? Ah, tu retrouves l'enveloppe! 42, L'enveloppe! 42, Mais me dis. Me 42. dis pas, hein, ta Mais je dis gueule! rien, tu m'as spoilé le début, donc chut. Attends, il y a les abonnés qui regardent là. Mais 42, putain. C'est Mais 42. pourquoi je suis dans un bâtiment avec des murs qui bougent? Pourquoi le sol il s'éclate? En fait, Mais ça là, n'a c'est. aucun sens! Genre, c'est ton baptême d'assassin. Tu es en train de devenir un assassin. Mon père non plus, mais je m'en bats les couilles, pourquoi tu es dans un endroit où les pierres volent? Attends, je vais les distraire. Mais ferme ta Oh. gueule! Non, franchement, c'est. Waouh! What Ouais. the fuck? Et là, par contre, j'ai zéro lag. Hein. C'est Là, j'ai vrai? vraiment aucun lag. Moi non plus, je suis à 50 En images. fait c'est quand il charge la map hein, que ça lag. Ah, c'est les bâtiments et tout? Ouais. Là, y a rien. Tu bugs pas? Qu'est-ce qui meurt là encore? Il y a des gens qui meurent, comme ça. La pêche. Pourquoi pas? Moi, je viens d'arriver sur le tapis rouge là. Ouais. Ah, y a un gars qui se fait buter. Ah mais c'est l'autre, Bonsoir. c'est le père de Elise qui vient de se faire buter je crois. T'es sûr? Bah je crois. Parce qu'il avait pas la même gueule. J'ai pas fait Bon. gaffe de loin. Bonsoir, messieurs. Pourquoi je suis dans une foule là? Comment allez-vous? Bonsoir. Oh la caméra a Il y a légèrement toutes bugué. les étapes de ta vie, on dirait. Oh, comment je les bouscule! Boum. Irrespect total. Ah, t'es au milieu là? Mais faut aller par où? Faut bien aller par l'espèce de truc au milieu là avec tous les gens. What? Quoi? What? Mais me dis pas! Mais je te dis rien, j'ai juste dit what? Tu m'as spoilé tout le début, Pourquoi? donc je me venge. What the fuck? Mais pourquoi il devient. Pourquoi il se téléporte? Pourquoi je me fais buter? Tu te fais des synchros? Mais non! C'est normal? Ouais. Mais what the fuck? D'ailleurs, Attends, moi je vais le brain, moi. tuer l'assassin sans vous faire détecter. Ah, regarde, moi je vais le brain. On peut pas courir? Non. Donc il faut réussir à passer par la foule et le buter. Tiens, ta race, il est mort! Non, mais aussi, si on nous dit pas, t'es obligé de te faire des synchros là. Bah oui, mais c'est fait exprès. Et t'as une fucking lame secrète. C'est vrai? Ouais, tu l'as là. Attends. Passe derrière lui en mode Putain, t'as ninja. vu le visage des gens?
Il est blanc. Ils ont aucun visage. J'ai pas vu. T'as pas fait gaffe. Ça y est, tu l'as et tué. Voilà, je l'ai planté. Allez. C'est qui? C'est pas le gars qui avait tué... Ton père. Si, c'est lui. Ça y est, t'es de retour du Japon. Putain, c'est vraiment beau les cinématiques, les effets et tout le bordel. Hein. Ouais. Ah, c'est vraiment beau. Par contre, il a des putains de doigts de Slenderman. Ils sont énormes, ces doigts. Ah oui, là, il s'évanouit. Ta lame épargnera la chair de l'innocent. Ah non. Tuer des gens dans la rue. C'est ça. T'as les assassins qui sont en face de toi. Je vais recevoir ma dague. Ah. Ta gueule. Tu te cacheras au cœur de la foule. Et meurs. Tu vas voir ce qui va te sortir. Suis-les et tu en deviendras meilleur. Bafoue-les et tu en souffriras. Arrête, il est beau. Oh, lève-toi, assassin. Oh putain, la classe. Ah. Tu crois que c'est à partir de là qu'on va pouvoir faire le multi? Ouais, possible. Arnaud Dorian est mort. Attends, je vais quand même leur mettre un 5 étoiles. Ses péchés et ses échecs. Ça y est, succès débloqué, renaissance. Ah d'accord, ce soir il ressuscite. Y'a pas de problème, moi je suis d'accord. ouais, par contre, j'ai signé le contrat, mais il est où mon costume? Parce que j'aimerais bien le costume aussi. Ouais, c'est ça. Renaissance. La dague c'est déjà bien, mais le costume... Je continue de... Allez, on continue. On va voir ce que ça donne, moi j'ai un... Ça charge, là. Je sais pas si refuse ça... Je veux être un tablier. Je sais pas si, comme dans les Assassin's Creed, t'as des séquences IRL, tu vois. Je brûle B. Non. Ça ne marche pas. Tu as fait le bon choix, mais ta mère, j'ai pas le choix. Level 5, sécurité, clearance only. Putain, j'ai pas le temps de lire. Attends, là, ils vont t'expliquer What comment marche l'animus, je pense. Ouais, on va avoir le droit à un petit cours sur l'animus, comme d'hab. Abstergo Industrie, niquez vos mères. J'ai pris de la drogue. Parce que le Japon. Ouais, bah allez, ça on le mettra sur la vidéo, ça. Ça le fait un petit bout, on est à peu près en même temps. Ça montre un peu le jeu solo, tu vois. Quelques années plus tard, les travaux de Crick et Watson démontrent cette théorie en faveur du modèle à double hélice. Ah, ça parle de génome, cours de SVT. Alors, nous pouvons voir l'invocation de Madame Michou. Pourquoi les radiographies de Rosalind Franklin semblent-elles la valider? En réalité, les premiers échantillons utilisés contenaient de petites traces d'ADN de précurseurs. Les gènes d'une race ancienne intégrée aux nôtres. Nous savons désormais que l'ADN à triple hélice le savoir du génome des précurseurs. C'est la pierre de rosette génétique de notre époque. Si l'on réussit à la faire parler, dans les fragments d'Eden, il y a bien l'épée dedans. Hein. Le savoir que nous pourrons acquérir sur ça se voyait. À l'aide de la technologie Animus, l'histoire des précurseurs se dévoilera sous nos yeux. Le décryptage des langues anciennes permettra d'accéder aux technologies disparues. Imaginez ce que révélera le savoir qui a produit les fragments d'Eden. Oui, à l'épée et que la fission de la tombe. Donc c'est le projet Phoenix. L'an dernier, nous avons localisé. Je kiffe la cinématique. Ouais. OK. Je vais quand même mon costume. ADN de précurseur, une valeur inouïe. Il est la pierre angulaire de nos travaux. Notre objectif est de démêler la triple hélice de oui, les génome des précurseurs et de modifier à jamais le visage du monde. Bienvenue dans le projet Phoenix. Ok. Distance cache d'assassin, bourse, grenade et what the fuck? Déguisement, apprenti serrurier, soin collectif, double assassinat, pot de sanglier, wow. Simulation dans le décor, frappe étourdissante. Ok, c'est pas comme si je venais d'apprendre l'intégralité du jeu. Aïe, mon costume! Je suis bleu. Regarde, là ça y est, tu peux débloquer les compétences et tout ça. Donc là ça y est, on est clairement dans le jeu et on va avoir le multi là. T'as santé, discrétion, portée, corps à corps. Mm-hmm. Ok, nice. Yo les gens, ici TipsWMP et aujourd'hui je vais me faire exécuter vu que c'est la Révolution française. Alors vas-y Guillaume, tire-moi une balle dessus. Dans la tête. Pouf. Et voilà. Voilà, ça t'a traversé la tête. Donc voilà, tout simplement, on vous a laissé Arnaud qui devient un assassin dans l'intro, voilà, un petit moment qui était un peu what the fuck en solo.
On a émis l'hypothèse de la drogue. Voilà. Et donc on a enfin réussi à se rejoindre dans... en multi, ah, donc c'était laborieux, un peu compliqué. Avec, ouais, avec le serveur Uplay. Entre les serveurs Uplay, le temps de débloquer le mode coop, c'est ça qu'on essayait de faire. Donc on est enfin ensemble, et bon bah on va essayer de se faire une petite mission coop, du coup. Hein. Exactement. Donc là-bas tu vois, il y a une mission multijoueur, donc c'est l'espèce ouais, de... je la vois. Donc on va aller lui taper la discute. Alors qu'est-ce que tu as à nous apprendre, Jackie? On va jouer en privé. Ok, y a que toi qui peux lancer la mission, deux joueurs max, nickel. Des têtes vont tomber. Bah c'était la même que moi, tu vois. C'est et la voilà. même. Et bien voilà. On est parti donc. Donc franchement, on va bien voir ce que ça donne à Assassin's Creed en multi. C'est un concept. Donc, bah du coup, le temps que Wampy rejoigne, bah j'ai découvert pas mal de trucs en solo. Enfin. Oh, le motion tracking. Parfait. Michel. Oh, quelle violence. Ouais. Fais le mec. Ah oui, c'est les années de la terreur. Ça, c'est Robespierre donc. Oui, ça parle de la terreur là. Ouais. Peux-tu identifier ces citoyens? Un grand nombre. Ils ont trahi la France. Je crains même qu'ils n'aient sous leur coupe des membres du gouvernement. Il a la classe, Robespierre. Surtout quand tu sais qu'il va se faire décapiter. Un espion de grand talent, pardon. Peut-être de trop grand talent. Arrêtez ce traître. Oh, c'est un Templier, Robespierre. Robespierre, c'est un Templier, d'accord. Oh là 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 là. Oh le bâtard. Ah oui, voilà, c'est ça, il faut récupérer son truc, je crois. Voilà. Ok. Et là, c'est qui qu'on voit? Trop soin. Donc moi, tu vois, je me suis mis en vert pour que tu puisses me voir un peu. Parce que genre, on peut personnaliser en fait. Attends, mets pause. Je vais leur montrer la personnalisation. Mets pause. Attends, ouais, va voir un peu le menu. Alors. Donc je t'explique rapidement ce que j'ai découvert. Donc va dans personnalisation du personnage. Là, j'y suis. Tu vois en haut, t'as 4 trucs différents, 4 ouais. icônes différents. Donc celui à gauche, l'espèce de F, je pense que c'est les francs et la monnaie, tout ça. Mm-hmm. Le deuxième, tu vois l'espèce de signe d'assassin. C'est des points de compétence. En fait, c'est des points, voilà, un peu comme des points de compétence, tu les gagnes quand tu fais des trucs d'assassin. Ouais. Donc ça t'aide à améliorer des compétences et tout. Le troisième, c'est des espèces de points qui te servent à quoi déjà, je crois, à améliorer les trucs. Ça te sert par exemple à améliorer les trucs ou à acheter des nouvelles couleurs, tu vois. Okay. Quand je dis améliorer des trucs, c'est genre améliorer tes armes. Et le dernier point, je crois que c'est un espèce de point informatique qui te permet de pirater des améliorations au lieu de les acheter. What the fuck? Ouais, j'ai vu ça tout à l'heure. Voilà, donc il y a 4 monnaies différentes. C'est assez chelou, mais c'est pas mal au final. Donc va voir rapidement dans les compétences. Je vais te conseiller quelques trucs. Ah, apporter genre... déjà une arme, l'arme à distance quand même. Ouais, voilà, achète le flingue, voilà. T'as combien de points d'assassin? 4. Ok, nickel. Donc t'achètes le flingue. Ouais, bah, c'est une bonne idée. Après, moi perso, j'ai acheté la discrétion, tu sais, le truc pour se cacher sur les bancs, etc. Et au corps à corps, j'ai acheté la frappe étourdissante, tu sais, en combat pour déséquilibrer les ennemis. Parce que ça, c'est vachement pratique aussi en combat. Ça permet de disparaître en effectuant des activités banales, telles que s'asseoir sur un banc ou s'appuyer contre le mur. Voilà, prends ça. Et tu vois, celui à gauche, c'est le double assassinat, là. Regarde comme il est stylé. Moi, j'économise pour celui-là, là. Acheter 4. Ah, quand tu butes 2 gars en même temps. Bah oui, le double assassinat. Après, t'as double assassiné par le haut et tout ça. Oh, énorme. Enfin bref, tu vois, voilà, le truc de personnalisation il est pas mal. Après, t'as des boosts. T'as le déguisement. Ça peut être intéressant. Va voir un peu les costumes. Tu vas dans préparation de l'équipement, équipement, et là tu vas dans tenue. Et t'as l'armure d'Altaïr, l'armure du mec de Rogue aussi, du Templier dans Rogue, l'armure de Ezio Auditore, l'armure d'Edward Kenway, l'armure de Connor et tout ça. Et voilà, des trucs bien stylés. Je suis occupé à lire un peu les... Ah oui, tu te souviens de la technique de la bourse? Oui, voilà. Quand tu jetais de l'argent par terre. Enfin, le truc personnalisable est vraiment génial. Il y a plein de trucs. Après, tu choisis une spécialisation, t'as des boosts, tu choisis tes armes, la base. Est-ce qu'on prend la vision deck partagée? Parce que ça peut être super utile. Moi, j'ai pas assez. Faut la payer. Ah oui, elle coûte 4. Bonsoir. Donc voilà. On est enfin... Donc tout simplement, on vous a pas mis le début du jeu. J'avais commencé à rec, mais... Mais en fait, ça laguait à mort.
Je sais pas pourquoi le début du jeu laguait à mort tant qu'on n'est pas un assassin. Et à partir du moment où on est un assassin, bah ça laguait plus, ou plus trop. Donc, je sais pas du tout pourquoi. Enfin, pour One Piece, ça laguait pas, mais pour moi, ça laguait à mort. Donc, voilà. C'est parce que j'ai un bon ordi, mais il faut pas lui dire. Mais le pire, c'est que mon ordi est plus puissant que le sien, donc j'ai pas du tout compris pourquoi. Là, je te vise les couilles actuellement. Pfff. Donc, ah, si d'accord. Tu veux être castré. Le prix des couleurs est assez. Élevé, je sais pas trouvé. Vas-y, tu me dis dès que t'es prêt et let's on go. On peut changer de visage. Ah, ok. D'accord. Alors, là, il faut s'infiltrer dans l'église. Franchement, la personnalisation de personnage m'a l'air super ah ouais. sympa. Ah, elle est géniale. Tu peux choisir tes spécialisations et tout. T'as ta confrérie. Tu peux faire des tournois entre confréries. Tu peux faire des petits championnats entre teams et tout ça. C'est vrai? Enfin, ouais, je te jure, c'est vachement cool. T'as tes boosts. Okay. Je vais peut-être m'acheter un haut. Après, ouais, t'as bah, tes. Celui-là, je trouve sympa. Ouais, y'a des. Après, tu personnalises tous tes vêtements. C'est vraiment voilà. Sympa, je trouve. Regarde comment je suis. J'ai un putain de haut. Attends, là, tu. Trop swag. T'as vu ça, trop, swag trop de swag. Peul. Allez, t'es bon, prêt, on y va. Alors, voilà. Le but, ça va être d'infiltrer et de sauver Patron. Bien. Vous avez vu, alors, on essaye de le faire en mode discretos. Eh ben, YOLO. YOLO. Bon, tu dégages. T'es où? Ah, t'es là. Ah, c'est kiffant quand même. Ouais, des gens multi-Assassin's ah, Creed, un jeu comme ça. Ouais, c'est du jamais vu. C'est du jamais ça. Vu. Depuis que j'ai enlevé le truc vertical. Oh merde! On est vu! Merde. T'es je suis vu. Attends. Mets-toi en sneak. Donc vous pouvez voir maintenant, il y a même un mode sneak, il y a un mode pour se cacher derrière les trucs, etc. Vachement sympa. Alors faut réussir à voler une clé apparemment. Attention, il va devoir. Il y en a un là. Et j'ai vu qu'il y avait aussi l'arbalète et tout ça comme d'habitude. Oula. Cache-toi. Ah, je crois que je suis vu. Oh, sneak. Voilà. Et il y a beaucoup de gardes. Hein. Ouais, ça va pas être évident. Je pense qu'on va devoir se les faire hein, ceux-là. Ah, c'est un mec qui a la clé, regarde, ça se déplace. Est-ce que tu veux qu'on se les fasse au flingue là? On commence à se les faire au flingue. Alors, en plus, c'est donc et après, comment tu et prends le flingue? Tu. Parce que je l'ai pas dans mes armes. La gâchette gauche. Tu laisses appuyer la gâchette gauche. Ça marche? La gâchette gauche? Enfin, ah oui. Pas la gâchette, non, le petit bouton pour les grenades, quoi. D'accord. Merde. Et après, t'appuies sur le bouton pour tirer quand t'as visé le mec. Ok. On y va ou pas? Oh putain, j'ai la collate. 1, 2, 3. Oh, j'ai mis la collate, je crois. Ah non, c'est juste le soldat bon, qui a tué le mec. Je sais pas trouver la touche, mais c'est pas grave. C'est pas grave, vas-y, viens, on se les fait. On est des ouf. C'est juste de trouver la touche. Bon, je trouve la touche. C'est pas grave. Putain, j'ai déjà plus de vie. Mais ce jeu est impossible. C'est vrai? Ouais, je suis déjà désynchro. Pour vous désynchroniser. Non, ranime-moi vite. Essaye de me ranimer. Vite, essaye de me ranimer. Oh putain, et en fait, il te tire dessus. Toi non plus, t'as plus de vie. Bon, t'as vu comme c'est dur? Ok, il va falloir vraiment faire attention, mine de rien. Alors là, par rapport aux autres Assassin's Creed. Ouais. Ah, ils ont vraiment fait un truc par rapport à la difficulté. Hein. Et je trouve ça pas mal. Hein. D'un côté, ouais, ça rajoute un peu plus. Ouais, c'est vrai qu'avant ils étaient faciles. Bah, on allait dans le tas quoi. Alors que là, il va falloir peut-être un peu plus. Et j'ai toujours pas compris la touche qu'il faut pour tirer. Bah, la touche pour tirer ouais. Comme dans tous les jeux, comme dans les Call of ou ce que tu veux. Mais ça ne marche pas. Ça a pas marché? Est-ce que t'as des balles? T'as peut-être pas de balles? Mais je ne vois même pas l'arme quand je fais comment ça s'appelle. Bah, tu sais, t'affiches ton menu là. Affiche ton menu. Bah, oui, mais je n'ai rien, j'ai que des pétards. De la fumée et des potions. Alors va dans tes équipements, oui, tu l'as pas équipé. Ah, va dans équipement. Doute. Ouais, oui, c'est vrai qu'il faut l'équiper. C'est personnage, c'est en où? C'est où l'équipement? Bah, tu sais, dans personnalisation du personnage. Ah oui, préparation d'équipement, arme. Ah, d'accord. Voilà. Voilà, arme à humain, je suppose. Non. Non, c'est pistolet peut-être. Ouais, pistolet. Et alors. Les courts, parce qu'après t'as les longs et les courts. Arme à silex, pistolet. C'est lequel le bon? Le premier, normalement t'as un bouton équipé, vu que tu l'as déjà. Ok, et ben voilà. Alors, montre-moi voir. Ah, c'est bon, j'ai une arme. Voilà. Alors, comment on va s'y prendre, à ton avis? Bah, je pense qu'on va se mettre à distance et qu'on va essayer de leur mettre une balle. Mais discrètement. Attends, non, on va attendre. Il y a un garde, on peut peut-être l'assassiner là. Je vais peut-être essayer de me cacher là.
Ouais, voilà. Qui est un garde, tu vois, qui est juste là. Tu vois là où je suis ou pas? Voilà, regarde-moi là où je suis. Est-ce que tu penses que je peux le buter lui en le prenant? Mais je sais pas si on a l'assassinat, tu sais, à travers un rebord. Est-ce que tu penses que je peux l'avoir là? Attends, je peux pas là. Il va me voir si je sors. Je suis pas sûr. Non, on peut pas tuer les gardes vers le haut encore, je crois. Oh merde, il m'a vu. Je pense qu'il va falloir faire très très attention au niveau de la vie, vraiment, dans cet opus. Ah ouais. Surtout que là, on vient de commencer, donc on n'a pas grand chose. Vas-y, tu sais quoi? J'arrive avec toi. Faut essayer vraiment de jouer sur le reset. Ah si, si, si! Viens, regarde! Je viens de le balancer par-dessus bord. Ah, j'ai vu, mais j'ai pas réussi, moi. Ça marche. Il faut qu'il soit bien en face de toi, bien au-dessus, et tu peux l'assassiner et le jeter. Je lui ai mis une balle. Ok, bah niveau discrétion, c'est nickel. Bah, gros, je lui mets une balle, tout le monde s'en fout, quoi. Eh, c'est ça le pire. C'est comme tout à l'heure quand j'ai essayé d'assassiner une fille. Oh merde. On a foutu. Ah. Attends, tu veux que je lui mette une balle? Si tu peux te mettre bien à distance et essayer de lui mettre une balle, ouais. Je crois. Ouais, je l'ai dans mon champ. Vas-y. Non, je crois que j'ai pas assez de portée. Attends, je vais réessayer. Ah, il doit y avoir une portée limitée, ouais. Et putain, s'il arrêtait de bouger aussi. J'en essaie une dernière. Mais non, il y a une portée limitée, je confirme. Je l'ai mis en plein dans la tête, il est pas mort. Et puis je vois pas le truc en rouge. Putain, je peux pas le planter, je t'assure, j'appuie sur X, je peux pas le planter. Si, ça y est. Tu l'as eu là? Non, je me fous de sa gueule. Merde. Merde. Il m'a one shot, hein. Ah, là il faut que je te ranime donc. Ouais. Attends, je suis face au directeur. Attends, je le bute juste et j'arrive. Oh le bâtard! Oh l'enculé, c'est pas bien! C'est vrai? Attends, je viens te ranimer parce que sinon je vais me faire niquer. En fait, j'ai un temps, tu vois, ma bannière d'assassin, ouais. Elle passe au rouge. Je sais pas. Alors, comment on fait pour ranimer? Bah, essaye. C'est touche, c'est B. Vite. Ok, let's go. Non! 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 Ah! Vas-y, on se désynchro. Putain, la barre de réanimation, t'as vu, elle était pleine. Non, je vois pas la barre. Ah, tu l'as pas vue? Elle était pleine. C'est comme l'autre jour en mode zombie là. Quand j'ai voulu te. Ok, on y arrive cette fois. C'est la ok, bon, ouais. Cette fois, on arrête de déconner. Je pense qu'on devrait se séparer. Bah, ils ont bien dit que l'entrée était bien gardée, tu vois, c'est ce qu'elle vient de dire. Ouais, elle a raison, donc, faut être discret. Peut-être que la manière dont on y va est pas forcément la mieux. Alors, genre, moi je vais à droite, toi tu vas à gauche. Ah, d'accord, je vois le directeur. Ou inversement. Attends, je vais essayer de sauter. Essaye de sneak, hein, fais gaffe. Ok, moi je passe à gauche. Mais comment tu fais pour le planter, le gars? Parce que j'ai beau essayer, j'ai pas réussi à le planter. En étant sur le rebord. Il faut qu'il soit bien en face. Hein. Apparemment, il faut qu'il soit bien en face. Attends, on va faire un petit coup de vision d'aigle. Est-ce que je peux le voir? Ouais, je le vois. Donc il est à l'étage d'en dessous, apparemment. Donc il doit y avoir une manière. Voilà, là, il y a vraiment du monde là. Ah, une porte. D'accord. Oh merde. Putain, il y a vraiment du monde de mon côté. Je sais pas comment je vais faire. Moi je crois que j'ai réussi à rentrer. Moi aussi, il y a du monde, mine de rien. Merde, là ils vont me voir là. Non, ils m'ont pas vu encore, vite. Montre un peu aussi le mode pour descendre en bas ninja. Tranquille, gros. Allez, saute! Waouh! Ah, nul n'échappe à la justice, c'est ça. Ah, je te vois. Tu me vois là, je suis à l'autre bout, regarde. Je suis à ta gauche, je suis à l'autre bout. Ah oui, je te vois. Alors attends, le gars est à l'intérieur, je sais pas si t'as fait gaffe. Ok. Je vois pas comment faire pour y aller en mode fufu, hein, parce que vu le monde qu'il y a... Bah moi j'ai trouvé une fenêtre par laquelle on peut rentrer à l'intérieur, mais ah, attends. C'est sympa. Ouais, moi aussi. Moi aussi je vois un truc là. Tu vois l'espèce de grand truc blanc là qui va vers le ciel? Je crois que c'est une entrée ou un truc comme ça. Peut-être, mais il y a deux gardes qui sont plutôt vénère contre moi. Ah non, c'est bon. Moi aussi, j'aimerais bien lui tirer une balle dans la tête, mais je suis sûr que je vais me faire griller si je le fais. Non, moi il est juste en face de moi là, je crois qu'il avance vers moi. Oh oui, c'est parfait. Sors. J'hésite à lui tirer une balle, franchement. Je tire ou pas, tu crois? Tu le vois là? Ouais. J'ai sa tête dans mon viseur, mais les autres ils risquent de me repérer. Il est dehors? Allez, je lui tire une balle. Non, je le tue. Merde, du coup je suis repéré. Fais gaffe, fuis. J'ai réussi à le tuer, mais il me dit voler, mais... Ah, c'est mon béfouillé. Je fais le tour de la tour, quelle blague. Je l'ai eu. Ok, ils sont trop d'art les tours.
Tu peux faire tout le tour, regarde-moi, regarde-moi. Je te vois pas. Tu me vois pas? Je suis en mode ninja en train de faire le tour. De la tour. Hop là. Donc c'est bon, moi aussi. C'est bon, t'es... Moi aussi, je suis à l'intérieur. Est-ce que t'es repéré ou pas? Ouais, je suis repéré, mais je viens d'assassiner un garde. Il y en a trois autres qui sont sur moi là. Bah, dégage. Attends. Je balance une fumigène, tu sais quoi? Vas-y. Fumigène! Et fuis. Ok. J'ai mis des fumigènes. Tu sais que c'est... elles sont vraiment trop bien, les fumigènes dans le jeu. Dans les autres Assassin's Creed, j'utilisais jamais. Là, j'arrête pas d'utiliser. Hein. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on récupère le carnet. Mais je sais pas quelle fenêtre c'est en fait. Là, j'en ai trouvé une autre de fenêtre. C'est peut-être. Bah, regarde le point vert. Il va y aller. Ah merde, il y a une porte verrouillée, sauf qu'on n'a pas la compétence crochetage. Ah mince, on pourrait l'acheter, hein. Ah oui, j'ai peut-être assez pour l'acheter. C'est 2 points, je crois. Attends, on va rentrer doucement. Attends. Oh fuck! Oh le bâtard. Fuis, il a su une barre de vie. Il mais on est con. Ouais, on est con, tout à l'heure, on a oublié de se heal. Ah merde, je peux pas ouvrir la porte. Il m'a pourtant l'air pas loin. Attends, j'essaye vite discrétion, crochetage. En dessous de moi. Ouais, je peux acheter le crochetage. Mais le problème, c'est que j'aurais peut-être pas de crochet, donc ça se trouve, je vais me gâcher des points. Fais pas le bâtard. C'est bon, j'ai réussi à m'enfuir. Est-ce que t'as trouvé la bonne entrée ou pas pour l'avoir? Je suis pas sûr. Non, parce qu'en fait, il est en bas. Je sais pas comment est-ce qu'on pourrait. Attends, écoute, ils chantent la Marseillaise. Tu les entends? Arme citoyen. Ah, je te jure, c'est énorme. Ils chantent tous la main. Ah, je suis là, je suis derrière toi. Oula. Non, je suis juste derrière toi. Alors, oui, aussi, vous savez, sur Assassin's Creed, il existe bien évidemment la montée libre, ce qui est donc en maintenant A. Vous pouvez tout simplement escalader des buildings. Maintenant, il existe la descente libre, ce qui fait que vous descendiez sans avoir à sauter comme un ouf, comme chaque volet auparavant. Alors, ouais. Ça change vraiment beaucoup au jeu. Parce que ça permet de descendre quoi, et donc c'est super classe. Ok, je suis carrément parti, je crois que j'ai trouvé comment le choper. Ça. Je suis carrément descendu et je crois que j'ai trouvé la bonne fenêtre pour le choper. Il est où? Là, regarde, tu sors carrément de l'autre côté. Ah, peut-être. Je crois qu'il est là, attends, j'entends un... Non, j'ai un coffre, mais il est fermé. Ah, j'ai pas la fenêtre. Non, c'est pas là. Mais je crois que je suis pas loin. Je dois vraiment pas être loin là. Il est juste en dessous en fait. Ok, j'ai trouvé. Je crois que j'ai trouvé. Attends, j'assassine le garde. Oh merde, je suis grillé. Fuis. Comment est-ce qu'on fait pour passer? Y a pas un... Putain, je te jure que j'ai jamais stressé pendant un combat sur Assassin's Creed, quoi. Là, je te jure que je stresse. Ah oui, t'as les gars en dessous, attends, j'arrive à t'aider. Viens m'aider, vite, viens m'aider. J'ai plus de vie. Je me suis heal. Vite, vite. Nique-le, il va me tuer. Ouh, merci. Tu m'as sauvé la vie quand je m'enfuis. Mais il me shoot quand je m'enfuis, tu comprends? Tu cours pour ta vie. Tu comprends? Là, ça y est, ils m'ont tué là. Ils m'ont mis 2 balles en même temps. J'ai plus de vie. T'es mort? Non. Mais j'ai plus de remède. Je t'ai dit de partir, franchement. Mais je suis parti 3 fois, ils m'ont tiré dessus. Mais tu t'enfuis par les immeubles. Ça mais il... justement, ils te tirent dessus quand tu t'enfuis par les immeubles. Bah, quand t'expliques que moi j'ai réussi à partir sans rien. Mais parce qu'ils te visaient pas, ils me visaient moi. Ils étaient tous les 3 sur moi. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant? Ok, bah du coup je les ai brain, hein, je suis retourné dans la tour. Et ils sont pas là. T'es un génie. Il y a le pauvre mec qu'on a tué, il est en train de se tortiller par terre. Putain, c'est toi, tu m'as fait peur. J'ai cru que c'était les gardes qui revenaient. Allez, on ouvre ça vite. Ah d'accord, elle est dans le coffre. Qu'est-ce qu'on est faible dans ce jeu. Oh là, il y a un garde juste derrière là. Ah, parce qu'il faut le sauver en plus. Non, tu sais quoi? Attends. Si, il faut tuer les gardes. T'es là? Allô? Je me sens un peu seul. Guéag, ça va? Excuse-moi. Ouais, je me sens un peu seul. Ouais, alors là, je sais pas comment on va faire. Il y a 2 gardes et il faut les passer. Sneaky? Ouais, mais ils surveillent. On est en plein milieu, quoi. Quoique ça peut passer, ouais. Ils risquent de me voir. Ils risquent de me voir. Si on va vraiment chacun sur l'un et qu'on leur met une balle, ça passe. Hein. Non, pas une balle. On court et on les assassine. Ok? Tu crois qu'il y a le temps? Je te jure, il y a le temps. Prends celui de gauche, prends celui de droite, au fond là. Tu prends celui au fond?
Ouais. Go, 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 ils nous ont vu. Fonce, 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 fonce. Merde, merde, c'est vrai que je t'ai caché. C'est bon, j'ai eu celui au fond. Viens m'aider, viens m'aider, viens m'aider. Désolé, je t'ai... Oh putain, j'ai failli y passer. Alors, il m'a fait le... Il m'a fait le... Il m'a fait le coup dont tu m'as parlé, là. Tu sais, où il lui fait un croche-pat. Mais le gars, il est pas du tout dans la tour, il est à l'autre bout du monde, hein. C'est vrai? Il est à 170 mètres. Ah oui, c'est bien ça, t'as raison. Il va falloir qu'on sorte. C'est pas... Ah non, la fenêtre, elle est fermée, en plus. Faut qu'on trouve un moyen de sortir, c'est pas par là, en tout cas. Ouais, c'est pas par là. Là, ah merde! Tu fuis pour ta vie là. Ouais. Ah, mais il spawn en plus! Mais non, mais pourquoi tu te caches dans ce placard, putain? Vite, vite, vite! Plus vite, Arnaud, plus vite! Ils savent se battre, les gars, non? J'arrive, j'arrive. Il est mort? Il est mort! Ah, j'adore les coups pour les achever. Ok, on s'est séparés là. Ouais, je pense que c'est pas une mauvaise idée. On est passé chacun d'un côté. On va aller le chercher, ok. Ok, 180 mètres. Bonsoir, y'a un mec bourré au milieu de la rue. C'est vrai. Est-ce que tu vois de temps en temps que tu gagnes des points crédé ou pas? Parce que moi, par exemple, vu que je viens de disparaître, je viens d'en gagner 50 là. Ah, peut-être, je fais pas gaffe. Surveille un petit peu, des fois tu vois des messages qui annoncent que tu gagnes des points. Gars? Putain, eux ils vont me faire chier. Eh, j'ai freeze histoire d'une seconde, ça m'a fait peur. Qu'est-ce qui se passe là? Il faut que je bute les Templiers, ça y est, j'y suis. Voilà, même, elle m'a dit l'endroit grouille de Templiers, fais gaffe. Ok, tu devrais peut-être te heal. Hein. Je sais pas si j'ai des. Oh, merde, fiche. Merde, je me trompe à touche. Putain, y a des patriotes qui me font chier là. Merde. Ah, j'en ai repéré un. Je me suis trompé de touche. J'en ai repéré. J'ai foutu une fumigène. Oh mon dieu. Putain, y'a des ennemis partout. Utilise la vision d'aigle. Je l'ai utilisé. Oh merde. Oh merde. Je suis sorti de ma cachette pour assassiner un mec et il y avait tous les ennemis qui étaient devant moi. Oh non les gars, en fait tu les butes facilement quand ils sont dans la foule hein. En fait il y a des gardes, des patriotes et des templiers. Tu vois ce que c'est les patriotes ou pas? Attends, il y a deux gars là, j'essaie d'aller les buter. Il y a des putes aussi. Est-ce que tu vois ce que c'est les patriotes ou pas? Attends, tu vas voir que je suis occupé. Tout à l'heure ils m'ont expliqué ce que c'était en fait, c'est des mecs payés par les templiers. Ah d'accord, donc les patriotes là ils se battent contre les gardes. Genre les patriotes ils sont payés par les templiers, c'est des mecs dans la rue, ils agressent tout le monde et toi y compris. D'accord. Enfin toi compris. Toi compris quoi. En plus ils te reconnaissent dans la rue. Ok. Moi je suis caché dans la botte de fond là. J'ai repéré un templier. Il est juste devant moi. C'est pas bon. Ça y est, j'en ai un. Je sais pas, non, il m'a dit que tu laisses la porte ouverte. J'en ai eu un. Ok, moi aussi j'en ai eu deux ou trois. Non, mais je vais dire deux Templiers. Ah, moi aussi. Non, il faut en tuer que trois. Hein. Et on a un sur trois. Ah bon? Non, c'est que les mecs en rouge, les Templiers. Mais c'est ceux que j'en ai abattu. Non, mais je veux dire, en rouge sur la vision d'aigle. Mais c'est ce que je fais. Je t'assure, j'en ai éliminé. Ah bah alors, ça doit pas être. Parce que t'as aussi les Patriotes qui sont en rouge. Ah, peut-être. Je vais me confondre. Faut bien les repérer. Attends, je viens t'aider. Mais j'avoue, il y en a un sur le toit. Il y en a un sur ah, le toit. Ah oui, il y a les fameux... D'accord. Oh, attends. Est-ce que tu crois que si on utilise la corde, ça le tue? Putain, essaye. Je vais chercher celui sur le toit. Je suis sûr ils ont prévu ça. Tu vois la corde, là? Tu la vois la corde ou pas pour monter sur le toit? Non, pas celui où t'es, celui juste à côté, là. Derrière toi. Ouais. Là, tu la vois la corde? Ah oui. Essaye de monter avec... Vas-y. Parce que tu sais, ils ont peut-être prévu un coup pour que genre ça le tue d'un coup, si tu montes. Non, ça marche pas. Bon, bah, je le tue. Parce qu'il est sur le toit d'en face. Ouais. Ah merde, ça s'en était pas, hein, t'as raison. Il est là l'autre. Attends. Vas-y, je te laisse le faire. Bonjour. C'est énorme de jouer à plusieurs. Ça n'était pas un? Si, ça en était un. Mais non? Mais pourtant, si, ça en était un. Si, ça n'est pas. C'est juste qu'il a mis du temps. Ok, il faut trouver le dernier. Bah attends, on se met sur un point hauteur, ça me permettra d'avoir une meilleure vue. Moi je suis dans la botte de foin là. Là-bas je vois un mec en rouge mais je c'est sais pas si c'est... C'est les mecs en jaune, c'est les mecs en jaune. T'es sûr? Ouais, sûr, il était en jaune. Merde. Fais gaffe à toi. Oh, je l'ai démonté. Oh, je l'ai mis un... Putain. Ouais, je l'ai pété là. Je l'ai pas. Je l'ai pété le coup.
putain. Je pensais qu'il allait niquer en plus, c'était une grosse brute là. Oula oula. Ok, je me balle. Je crois que j'en ai vu un. Où ça? Là. Attends, ouais. Je suis un peu cramé, on me tire un peu dessus. Je crois que c'en est un. Bah tu l'as vite. Ça y est, je l'ai eu. On va voir. Attends, on va voir si c'était lui. Viens m'aider. Non, c'était pas lui. Viens m'aider. Viens m'aider. Je suis en train de mourir. Attends, je me mets en sneak. Ils vont me voir. Putain, je suis passé juste devant eux, ils m'ont pas vu. Mais t'es courant que tu t'es passé juste devant moi? Oui, je sais, t'inquiète. Voilà. Tu vois, okay. Là, j'ai gagné des points, par exemple, entre animaux. Merde, non, non, les gars. Oh, des prostituées. Tout à l'heure, il y avait une pute sur un balcon qui criait « Venez, venez à moi !» Tu te fight encore? Ah, mais je sais pas ce qu'ils ont contre moi, mais... Mais, attends, tu m'as dit que c'était le mec en jaune? Mais oui! Mais il est dans la guillotine! Il vient de... Quoi? Mais non! Mais faut qu'on fasse ce truc vite pour l'empêcher de se faire tuer! Mais en jaune, c'est pas les Templiers, c'est pas ton! Mais je t'assure que le gars qu'on m'a demandé de tuer était en jaune! Mais moi, je l'ai vu en rouge, hein! Moi, je l'ai vu en rouge! Ah, moi, enfin, je t'assure que le gars que j'ai vu était en jaune! Mais merde, du coup, j'ai cru que c'était les Templiers! C'est de rush! Alors, où est-ce qu'on est là? On est en haut, on est juste en face! Bon, allez, sinon, on y arrive! Putain, on galère! Une connerie! Ouais! Ah, je suis sur le toit. Ça va, ça va pas trop chez moi. Alors, on va voir. Ok, je vois deux mecs en rouge. C'est quoi l'espèce de truc en jaune qui est par terre, là? Si, regarde, c'est en jaune, là-bas. Mais non, ça, c'est Danton. Ça, c'est Danton. Non, il y a un autre en jaune. Regarde, tu vois là où je suis ou pas? Ah oui, oui, t'as raison. Et voilà. Ok, t'as raison. Attends, je tue la brute qui est sur le balcon, là, sinon il va venir te faire chier. Ok, j'ai buté une brute. Vas-y, là, il y a une autre brute encore. Allez, monte. Attends, je vais m'occuper des brutes, comme ça, ils te font pas chier. T'inquiète, c'est une arme là-bas. Surtout que je vais l'éliminer. Enfin, des brutes, je veux dire des patriotes. On va tenter un truc un peu stylé. Ok, j'ai rien dit. J'ai juste poignardé, on peut pas plus ridiculement. Hop, alors, voyons voir. Ils sont où les autres? Faut qu'on fasse vite avant que Patton se fasse exécuter. Hein. C'est ça. Merde, ils m'ont vu. Bah, à part. C'est bon, je suis anonyme. Je suis le genre de gars qui saute et qui se rattrape d'une main au truc d'en dessous. Quoi, oh, c'est kiffant comment il escalade en diagonale. T'as vu, c'est ça, c'est stylé. Hein. Ah, c'est énorme. Oh, on peut même rentrer dans la maison là. Attends, tu sais quoi, je vais rentrer dans la maison. Bonjour, monsieur. Non, mais je les trouve pas. Il est où l'autre con? Il y en avait un par là. Mais ils ont peut-être changé de place. Il est là-bas. Merde! Il y en a un devant moi. Ah merde, dans la maison il y a des mecs en fait. Bah. Peut-être qu'il y a un templier dans la maison. Attends, moi j'en ai trouvé un. Il y en a un qui est avec un truc marqué tuer. Vas-y. Et peut-être que le dernier est dans la maison alors. Ou alors c'est le mec qui est là-haut là que je vois. C'est bon, je l'ai eu. Eh mais il y a un signe au sol. Quoi? Je te jure, tu sais dans les anciens Assassin's Creed, des fois tu mettais la vision deck, t'avais des signes qui apparaissaient. Oui mais sur les murs, et c'était des morceaux oui, de vérité. Regarde, regarde. Mets ta vision d'aigle et regarde vers la guillotine. Attends. Tu le vois ou pas? Je peux mettre ma vision. Ah si, c'est bon. Est-ce que tu le vois? Attends, ma vision se recharge. Hop. Alors viens voir. Ah d'accord, j'ai plus de vision. Tu veux pas venir avec moi dans la maison parce que je vais me faire déglinguer, je pense. Oh putain, j'ai pas fait exprès. Mais attends, faut juste essayer de trouver l'autre. Mais je crois qu'il est dans la maison justement. Là, je suis dans la maison, je suis en mode sneak. T'es sûr que Quentin, il va se faire exécuter, hein? Attends, j'en ai tué un, Il approche de la guillotine, hein? Ok, vite, essaye de le trouver le dernier. Je suis dans la maison, j'essaye de tous les tuer. Non. Cherche, je le vois pas. Hein. Non, c'était pas le mec dans la maison alors. Cherche dans toute la zone. Tu la vois la zone verte? Ouais, je sais, mais j'ai beau chercher. Il doit être plus loin. Viens, on va au fond. Là, je suis à la Marseillaise. Viens vite, on va chercher au fond. Je t'assure, je le trouve pas. Moi non plus. Attends, il y a une porte en or là-bas. Il y a une porte qui brille. Au fond, là. Laquelle? Vas-y, essaye. Non, elle est verrouillée. Non. Vite, viens chercher avec moi. Je le trouve pas. Balade-toi. Et utilise la vision d'aigle.
J'ai beau l'utiliser, je le vois pas. Merde. J'attends le prochain, putain. Le temps presse. Il est à la guillotine, vite. On n'y arrivera pas encore une fois. On n'arrive pas à trouver le troisième en fait. Ta gueule. Il monte à bâton. J'ai été gris. Bâton, il a la tête sur le truc. Tue tout le monde, tue tout le monde, tue tout le monde. Mais non, non, non. C'est j'ai tué encore un mec. Mais il est marqué par un machin rouge normalement. Putain de merde, mais il est où? Regarde, il va se faire exécuter. Bon, attends, viens, on regarde son meurtre. Non, viens, on saute sur la salle. Non. Patin. F20. Bon, moi, je pense que je suis mort. Hein. Viens m'aider vite, viens m'aider, viens m'aider. Mais que dalle, je suis en train de mourir, moi. Je suis malade. Je suis fait. Non. Bon, par contre, je trouve pas le troisième, du coup. Hein. Ah, putain, il est où le troisième, quoi? J'ai beau chercher, je sais pas. Putain, c'est lui. Vite, vite, vite. Yes. Je l'ai eu. Juste un temps. Il est dans la guillotine, Paton. Voilà la diversion. Il est... La diversion. Alors là, c'était merde. Vraiment au dernier moment, là. Ah, la guillotine, elle s'est abattue, elle lui a coupé la tête, mais vu qu'on avait fini, c'est passé. Quoi? Non, me dis pas qu'il lui avait coupé la tête. Il est mort. Film. Je suis en train de filmer. Donc salut à tous. Voilà, c'est lui qu'on est censé retrouver. Bon, je crois qu'on a fait un peu bugger la mission. Je crois qu'on a fait carrément bugger la mission. On se fait buter, laisse-toi te faire tuer. Laisse-toi tuer par les gardes. Regardez. Guillaume, laisse-toi te faire buter par les gardes. Ouais. Au moins maintenant on connaît l'emplacement des gars. Mais non, il est vivant. Il a disparu. Il a disparu de là. De la guillotine. Attends, je désynchronise. Mais Guillaume, il avait disparu de la guillotine. Mais oui, mais donc je... les gens, on se retrouve. Ouais, vous avez peut-être remarqué qu'on a monté d'un niveau. C'est simplement que bah, hier on a fait déco de la mission. Attention, je sais où il faut aller. On a fait déco de la mission. Bon voilà, Uplay c'est de la merde. Et du coup, on a joué un peu. On a mis à peu près 2 heures à réussir à se connecter. Là, on vient de mettre plus de 2 heures à jouer en ligne ensemble. Donc on est en train de pinacle. Donc là, voilà, on reprend la mission où on en était. Il faut trouver Paton. Il s'est réfugié dans un temple templier au sous-sol dans une grotte. Enfin, c'est un pur génie. Sachant qu'il voulait fuir les templiers, c'était le pire endroit possible. Viens à l'endroit où je suis, utilise la vision d'aigle. Non, on ne pas. Regarde, tu la vois là, utilise la vision d'aigle là. Ouais, là. De quoi? Tu la vois la porte dans oui, le sol? J'ai vu la porte dans le sol, ouais. Voilà. Alors comment y accéder? Aucune idée. Et donc là, il y a le cimetière des saints innocents, mais il y a des templiers partout. Mais tu vois l'escalier, donc, c'est la porte d'un égout apparemment. Ouais, mais je sais pas du tout. Ah oui, t'as raison, il y a un escalier. Mais alors comment on fait? En général, les escaliers, c'est les trous vers les égouts, donc. J'ai l'impression que l'escalier, il est là. Mais là, si je saute, je vais me faire griller. Hein. Waouh, il y a des templiers. Ah, le templier, l'escalier, il est là. Alors, il est juste en plein milieu du cimetière où il y a tous les templiers. Viens, je sais comment faire. Ok moi je saute dans le truc de foin. Oula, okay. Oula, je me suis fait cramer. La dernière fois, regarde, j'ai fait ça. Je saute dans le truc de foin. Il est où le truc de foin? Oh merde. Il est en bas. Attends, ensuite, je cours pour ma vie là. Regarde. Ensuite, je passe derrière tous les mecs, je les bute. Bah, fais gaffe. Moi, je peux essayer de buter ceux sur le toit si tu veux. Je suis tout près de l'escalier là. Il est juste devant moi l'escalier. Je vais essayer de lui coller une balle. Et pour y accéder, je sais pas comment je vais faire. D'où j'ai pas touché? Mais d'où? Mais je suis parfaitement sur lui. T'es sérieux? Moi je suis en plein milieu et personne m'a vu. Hein. Là je suis en mode fufu. Je te jure, je suis en plein milieu. Personne m'a vu, je suis en plein milieu quoi. Ça y est, j'y suis. Ça va, t'as réussi? Oh mon dieu. Non. Il faut un truc de crochetage. Il faut un truc de crochetage. Ça, moi par contre, c'est du monde qui m'a vu là. Bonsoir monsieur. Gars, je te ramène de la compagnie parce que je t'aime. Ah, j'ai compris comment ça fonctionnait le crochetage. Ouais, mais pour l'instant, il y a du monde derrière moi qui me tire dessus. Moi, je vais m'enfuir, mais. Mais moi, ils m'ont toujours pas vu. Moi, ils m'ont cramé. Mais t'es sérieux que t'attires tous les mecs sur moi là? Oups. Mais t'es sérieux? Ils m'ont grillé. Désolé, moi j'ai juste fui. Putain, mais j'avais tout fait en mode fufu et tout. J'étais en train de crocheter, personne m'avait vu alors que j'étais au milieu. Ah, oh, t'abuses. Bon, vas-y, viens, on les tue. Viens m'aider. Attends, je suis sur le toit moi. Au pire, attends, je mets une fumigène. J'ai mis une fumée. Mais d'où ma balle, elle touche pas? Non, il y en a trop. On va mourir. Voilà. Va te cacher, on revient en mode fufu. Va te cacher. Attends, j'en ai bu. Quoi?
Le gars, je l'empale, il s'en bat le cou. Ouh. T'as eu ton seul. Oui, j'ai failli mourir. Voilà, même là, j'ai vu, t'as utilisé une potion. Ok, ok, faut qu'on y arrive. Ouais, t'as prévu de passer ça un jour ? Merci. C'est chaud, hein, les flingues. Ouais. T'as réussi ou pas ? Mais dégage, qu'est-ce que tu fais ? T'es au milieu des gars ? Mais je sais, mais je m'enfuis. Mais il me tire dessus. Putain, il m'en tire dessus, je suis mort. C'est impossible. Et en plus, je glisse sur le toit en étant mort. Ah la pauvre merde, je suis tombé. T'es pas en train d'avoir un strabisme par terre ? Je te vois, avec un... Tu me vois ou pas ? Je suis en train de te faire coucou depuis le toit. Non, j'arrive pas à tourner la vue. Viens me ranimer, hein. Attends, mais y'a un gars en dessous de moi, je peux essayer de le planter. Viens, tu vas te faire niquer. Non, non, j'ai réussi à le planter sans rien. Les gars, si ça passe. Vite. Est-ce que t'as vu ce que je viens de faire ? Oh, tu gères. J'ai réussi. Là, on est caché. Ouais, on est caché. Mets-toi couvert derrière les protos. Reste caché. Oh merde, il y en a un qui m'a vu. Et non, je suis caché. Ah non, nous fais pas encore griller. Non, je suis caché derrière le mur. J'en ai tué un. Oh merde, non, lui il m'a vu. Ok. Fuis pour ta vie. Non, c'est bon. Moi je suis au crochetage et personne m'a vu. Ok, bah si veux, je peux essayer de les distraire un peu en m'enfuyant. Ok, j'essaye de faire le crochetage. Vas-y. Mais c'est pas évident. En plus, ça lag. Je me suis fait buter. Essayer de m'enfuir. Je comprends pas trop le crochetage. En plus, ça lag. Bah, essaye d'y arriver parce que moi je suis en train de mourir. Ok, d'accord. En fait, j'ai pas assez de niveau de crochetage. C'est pour ça, c'est hyper dur à crocheter. Vu que ça lag, en plus, c'est carrément impossible. Bah. Si t'arrives à me réanimer, je t'assure. Mais ça m'étonne qu'il y ait un truc à crocheter hein, dans une mission. Parce que imagine, t'as pas la compétence crochetage. Il doit y avoir un autre chemin, une manière d'y accéder. Tu vois, il y a un autre escalier sur la mini-carte. Viens, essaye d'aller à celui-là. Lequel ? Bah là, regarde. Juste en dessous. Moi, j'en ai un sur la carte. Attends, je regarde sur la map en 3D. Ah, maintenant, on n'a pas synchro la zone. Fais chier. On n'a pas les bâtiments en 3D. Je peux aller la synchro à la limite rapidement. Il est loin le point de synchro ou pas ? Pas si loin que ça, il est là-bas. Bah, je vais la synchro, ok. Ok, va la synchro. Mon souvenir. Parce que je vois vraiment pas l'entrée. Hein. Ok. Donc, en fait, comme vous savez, dans les Assassin's Creed, lorsque vous synchronisez, vous pouvez accéder à l'intégralité de la mini-carte. Ce qui peut vraiment être d'une aide très précieuse, comme là. Parce que sans la mini-carte, par exemple, on a du mal à voir. Alors, la mini-carte a clairement été améliorée. Ah, ça, c'est sûr. Elle est magnifique. Parce que maintenant on obtient donc les bâtiments 3D. Donc là vous le voyez pas encore parce qu'on n'est pas. Enfin, on n'a pas ça qu'on est. Putain, j'ai trouvé, je crois. T'es sérieux ? Ouais, j'ai trouvé. T'es sûr ? Ouais, viens, j'ai trouvé. Bon, j'irai synchroniser après. J'ai tué le mec qui gardait l'entrée. Oh, j'ai passé de level. Level up ! Ouais. Putain, mais t'es beaucoup plus haut level que moi alors que j'ai joué genre 5 heures de plus. J'ai rien compris. Tu me vois ou pas ? Ah, t'es élève d'élite alors moi je suis apprenti supérieur, c'est ça ? Ouais. Alors que hier j'étais beaucoup plus haut grade que toi. What the fuck ? Attends, je vais fouiller le cadavre en attendant. La fouille aussi elle est beaucoup plus rapide, je trouve. Peut-être. À chaque Assassin's Creed ils accélèrent un peu, j'ai l'impression. Ok, j'arrive, je saute dans la faille. Un mini saut de l'ange, les gars. Enfin, du saut du foin. Ok, on y est. Allez, c'est parti. Le voilà l'escalier qu'on cherchait. Oh non, faut crocheter. C'est une blague. J'essaye. Mais t'as même pas accrochetage. Ah bah non, j'ai même pas accrochetage. Attends, mais là, la serrure, elle est peut-être facile à faire. Vas-y, essaye. J'espère que t'y arrives. Mais c'est impossible, ça lag. Ça lag trop. Bah, faut que t'y arrives, moi je peux pas. Hein. Putain, presque. Putain, mais c'est impossible, ça lag. C'est quoi la ceinture le plus badass? J'ai plus de crochets. T'es sérieux? Bah ouais. Tu veux dire que là on peut plus rien faire? Bah je crois bien. Mais il y a forcément une entrée sans truc, enfin ça m'étonne. Bah ouais, moi aussi ça m'étonne. T'as pas des... Oh putain, on va racheter des crochets à la limite, mais... Mais même avec des crochets, c'est impossible de crocheter.
Tu sais, t'as un truc qui se déplace super vite et quand il est dans une petite zone bleue, tu dois appuyer. Sauf que moi, il lag le truc, le curseur. Tu veux que je m'assise dans le crochetage alors? Ben, t'as combien de points? Ça Deux. coûte. Bah, vas-y. Hein. Si toi, ça lag pas, vas-y. Alors, compétence, c'est dans quoi? C'est de la discrétion? Ouais. Déguisement, apprenti Sinon, il y serrurier. a un magasin à côté. Permet de crocheter les portes. Oui, j'ai Il y a un appuyé petit dessus. magasin juste à côté. Voilà, est-ce que j'ai des crochets? Attends, il m'affiche que là-bas, il y a un autre escalier, je crois. Alors, montre voir. Et pourtant, c'est bien celui-là. Hein. J'ai bien Ouf, l'impression que c'est ça a pas l'air celui-là. simple, hein. Ouais. J'ai. Ok. D'accord, ok, c'est hyper dur. Là, il y en a un autre, l'escalier. Et y a un truc ou pas? Je sais pas, je vais voir. Juste essayer de voir s'il y a un magasin pas loin. Oui, il y a un magasin juste à côté. La vache, on galère hein, pour cette mission. Ouais. Bon, galère tout court sur ce jeu de toute façon, hein. Mais le jeu est vraiment dur, hein. Les combats sont vraiment beaucoup plus durs, hein. Contrairement aux autres Assassin's Creed, on trouve le jeu carrément plus dur. Ouais. Vous allez voir au niveau des combats surtout. Y a rien. Viens, y a pas de T'es grille, y a sûr? rien. T'es sérieux? Ouais. Tu m'as fait dépenser 2 points pour rien. Bah, j'aurais pu Bah. économiser pour le double assassinat. Bah, c'est ce que je voulais faire aussi, mais ça servira hein, le crochetage. T'es où? Comment t'as fait pour rentrer? Si tu veux, je vais me mettre à l'entrée. Bah viens vite. Ah mais c'est un autre escalier. Mais c'est pas un escalier qui est relié à notre réseau, hein. Bah, peut-être que si, parce que c'est des égouts carrément. C'est tous les égouts. Eh, quoique, ouais, il est Moi je même pas trahis dans la la zone. noce. Ça m'étonnerait qu'il soit relié, mais je vais quand même essayer. Bah essaye. Ah oui je vois. Ça me fait qu'ils soient reliés honnêtement. Mais c'est carrément des égouts, c'est gigantesque. Hein. Mais c'est là que j'ai fait ma mission, il fallait que j'assassine un gars. Ah ouais? Ouais. Non, c'est pas là. Non, à mon avis, c'est pas lié, hein. Ça veut dire que si on peut pas crocheter, on peut pas faire la mission. Bah non, j'avais pas réussi à aller plus loin. Non, donc on ne peut pas. C'est pratiquement sûr, hein. J'ai déjà venu là et il n'y a aucun moyen de sortir. Donc le crochetage c'est la seule manière de finir la mission? J'ai Mec. bien l'impression. Mais c'est un peu con quand même. Ouais, bah, c'est bizarre quoi. Surtout moi, attends, ça lag, ça veut dire que je pourrais pas crocheter. Non, descend, ça sert à rien. Pas rien. Passe par en haut ici. Tu pourras pas remonter sinon après je pense. Si, si, si. Ah, regarde. J'ai rien dit. Oh, trop stylé. De quoi? Il y a un petit parcours où il passe à travers les poutres et tout ça. Merde, j'appuie sur B. C'est bon, moi je suis sorti. Ok, bah essaie de trouver. Là, je vais au magasin acheter des crochets. Ouais, je pense que ce serait pas con. Je vais essayer d'en acheter aussi. Je te Mais dis, c'est hyper dur de crocheter, hein. Ouais. Mais toi, tu devrais y arriver. Oui, enfin, je devrais y arriver, Essaye hein. plusieurs fois, tu devrais y arriver. Donc, si ça lag pas chez toi. Non, c'est fluide, mais. Vraiment, le jeu est fluide, de toute façon. Ou alors peut-être qu'on n'a rien compris au système de crochetage. Aussi. Possible. Vas-y, moi j'achète des crochets. Vas-y, change le plus possible. Ouais, 5 le maximum, je crois. Ouais. Bah, 5, ça devrait suffire si on fait pas trop de la Mais merde. après, tu vois, on peut monter de niveau en Attends, crochetage, mais mais il est ça où peut l'autre? attraper bon. Mais what the fuck? Il est où le gars? Mais il est où le gars? Ouais, il est dans What? la terre. Il est quoi? Il est dans la terre, enfin, Ah, dans la il est sous boutique. sol. Ah! D'accord. Le gars de la boutique, tu veux dire? Oui. Regarde sur la mini-carte. Oui, mais moi j'ai fait le tour du bâtiment en cherchant en fait. Alors, viens voir crochet. Non, je vais en acheter plus. Voilà. Au passage, je vais racheter des balles. C'est où? Pompe fumigène, j'en ai. Des balles, des balles, des balles, des balles, des balles, des munitions. Et voilà. Alors, on y va.
Allez, on est reparti. Mais dis pas que les ennemis ont respawn. Non, non, non. Sûr ? C'est impossible. Putain, c'est impossible ! Je rage. Oh, j'ai réussi ! J'en ai fait un. Tu en as plusieurs ? Bah oui, il y en a deux. Il me reste un crochet pour réussir le deuxième. Et si tu rates le si tu réussis le premier et que t'arrives pas le deuxième ? Putain, j'ai réussi ! Non. Non, j'ai pas réussi en fait. Je suis à court de crochet. J'ai cru. Vas-y, viens essayer, peut-être que t'auras pas à faire la première goupille vu que je l'ai réussi. Ah ok, on va voir. Mais comment tu sais? S'il y a un truc 1 sur 1, 2 sur 2? Ouais ouais. Où ça? Il peut y en avoir 4-5 tu vois. Là il y en a que 2 encore, on a de la chance. Là c'est une serrure facile tu vois. C'est marqué où? Bah tu vois, 1 sur 2. Non non, j'ai les deux goupilles fermées moi. Fais chier. J'ai eu la première. Oh nice. J'ai eu la deuxième. Oh nice. Pas grand chose près mais je l'ai eu. Tu viens de bousculer en arrière, c'est ça me plaît pas du tout. C'est alors, fais attention. Ouais. Enfin. Et c'est là où en fait il était pas du tout là. Donc ça c'est les catacombes, t'as vu un peu tous les ossements et tout ça. Ouais. C'est vachement beau. Parce que c'est vrai qu'à Paris il y a énormément de catacombes. Je suis allé les visiter il y a pas longtemps et... Les catacombes de Paris? Ouais. Tu pars à droite, je pars à gauche? C'est assez incroyable. Ouais. Utilise ta vision d'aigle. Oula. Il est là. Tu énorme, avec la vision d'aigle, tu vois tout le réseau et tous les ennemis et tout ça. Énorme. Ta gueule. Regarde sur ta mini-carte, tu vois tout en rouge. Il est chauve. Ah, il est chauve. Oh putain, j'ai eu le pantalon du rôdeur. La même. Ok. Oh, on a gagné des points, tu vois. Ouais, et bon, on continue. Hein. On a gagné des points de trucs. Nice. Accepte, fais continuer. C'est fait. Alors attends, on va essayer d'installer le pantalon du rôdeur. Ah voilà, terminer des missions coop rapporte également des points sync. Phanos a quitté la mission? Bah non, je suis là. Bah. Je suis avec toi là, je suis à côté, tu me vois? Ouais, ouais. Bah je peux quitter la mission. Alors attends. Non, ça veut peut-être dire que la mission est terminée. Ah, peut-être, ouais. Donc alors attends, c'est en préparation d'équipement, et elle est où? C'est quoi ses jambes? Le pantalon du rôdeur? Oui, c'est ça. Pantalon du rôdeur. Il est pas mal. Le pantalon du rôdeur. Attends, je vais voir. C'est dans jambes. Il y a juste des trucs bizarres au niveau des jambes, mais vu que c'est une exclusivité pour les versions précommandées, bah je le prends. Enfin, je crois. Mais non, c'est pas un truc spécial. Ouais, il est classique, je préfère le mien. Bof, moi je l'ai mis, histoire de changer un petit peu. Bon, alors on sort de là? Moi j'ai pas le classique, moi j'ai changé, je sais pas si t'as vu. On sort de là ou on reste un peu dans les égouts? Bah, qu'est-ce que tu veux qu'on trouve? Je sais pas. Non, on va faire une autre mission. Non, viens, on se balade un peu dans la ville avant. Attends, moi je vais les synchroniser, tu sais quoi? Ouais, vas-y. Attends, je vais Bon, il y a plus de templiers dans la zone. Ah, plus aucun? Non. Si, il doit bien être. Ah non. Tuer le messager sans être vu. Ah, événement public. Attends, c'est de l'avoir. Vas-y. C'est qui le messager? C'est Michel. Je l'ai vu. Sans être vu. Mais ça, c'est pas grave. Oups. Pourquoi tu te bats? Il a pris tellement cher. J'adore le maillet. Ça les déglingue encore plus l'épée. Bon, moi je vois l'épée. On va synchroniser cette zone. Moi j'ai gagné le maillet avec l'enquête de Vidocq sur le meurtre. Ah. Hop, on va te parler toi. What? Le mec il fait un saut de 50 mètres, il atterrit pile sur la corde quoi. Normal. Et la corde ne bouge pas. C'est le cher Arnaud ça. Ouais. T'as vu que j'ai dit Arnaud et pas idiot. C'est bien, c'est bien. Tu progresses. Je sais. Voilà, j'espère vraiment que c'est le bon point. Ah, je crois qu'il est à 25. Donc là, ça y est, Ubisoft, ils nous ont fait une mise à jour. Parce j'ai l'impression que ça lag un peu moins, ouais. Et j'ai pas glitché, hein. J'ai pas trop vu le glitch depuis mise à jour. Parce qu'en fait, on avait des tas de... Oh, c'est quoi ce bâtiment? Oh, il vient de me refaire le saut à bas ventre. Incroyable. Trop stylé. Oh, attends, j'ai un bandit. Parce qu'en fait, il y avait pas mal de problèmes, notamment des glitches dans le sol que Aaron a eu la joie d'expérimenter. Ouais. Et des problèmes de lag, donc ils ont été un peu améliorés. Moi j'avais pas trop de problèmes de live. Là vous voyez, je vois l'indicateur, on est à 47 FPS, donc même à 60 là. Donc c'est plutôt très bien. Hop, donc on va les synchroniser. Alors je sais pas quel est le bâtiment où je suis. Pourtant je connais Paris. Moi je suis juste en dessous de toi. Ça ressemble à une petite église. Je suis dans la maison en dessous de toi. Une petite cathédrale plutôt. Voilà, je synchronise. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire, dis-moi? Eh bien il y a plusieurs missions en coop, donc on va s'y mettre, je pense. Attends, on se balade déjà un peu dans la ville d'abord, non? Qu'est-ce qu'on peut avoir à faire dans la ville? Viens, on va chercher
Non, il n'y a pas des points signes, j'en vois pas choper. Hein. Il n'y a que des points credo. Donc regardez, je vous disais, quand vous synchronisez la zone, vous pouvez voir les bâtiments en 3D comme ça. Et ça, je trouve, c'est quelque chose qui est super bien fait. C'est Aaron qui m'a montré ça, et c'est vrai que ça rend super bien. Quand les zones sont synchronisées, maintenant, on a une vue 3D comme ça, et ça permet de mieux repérer certains objectifs. Voilà, je suis dans le rouge. Donc, alors, est-ce que ça dirait une petite mission coop? Alors, il y a chaîne alimentaire qu'on peut faire. Il y en a une autre aussi qui s'appelle « Des têtes vont tomber », qui est celle qu'on vient de faire, donc on va éviter de la refaire. Quoi? Quand on les fait, elles restent? Apparemment. Ah, oh, c'est nul. Attends. Donc, il y en a une autre qui s'appelle « Chaîne alimentaire » qu'on peut essayer. Et ça, je sais pas ce que c'est, une espèce de masque. Moi, je vais aller chercher une cocarde. Les marchands du temple. Les Templiers ont pillé Notre-Dame et apportent leur butin à l'hôtel Dieu en passant par les égouts. Il faut récupérer ces objets. Mais c'est quoi ça? C'est pas du coop? Si, du coop, deux joueurs max. C'est vrai? Ouais, on y va? C'est quoi? Mais c'est une mission coop? Ouais, direction Notre-Dame. Ouais, bah alors ouais, on peut y aller. Viens, on y va ensemble. Bah moi, je viens de me téléporter là. Oh, mais t'abuses! Mais comment tu veux ensemble? Ah non, mais on se balade! Je téléporte, on se retrouve sur le toit de Notre-Dame, ok? Ah, mais c'est plus marrant de se balader dans la ville! Bon, c'est bon, je vais me téléporter là, c'est trop tard. Non, mais c'est pas loin, t'inquiète, on pourra un peu marcher. Donc, alors Notre-Dame de Paris, qui a été entièrement recréée dans le jeu, donc vous êtes sans doute, si vous êtes français, que vous regardez cette vidéo, quoi. Si vous êtes québécois, je vous fais un petit clin d'œil. et si vous venez aussi de la Polynésie française, de tous les DOM. Aussi. Tu sais qu'il y a pas mal de gens de la Guyane et tout qui regardent nos vidéos. Hein. C'est vrai? Bah, ouais, j'ai regardé dans les analytiques, ouais. Et bien on fait un petit clin d'œil les gens. Et même du Québec aussi je crois, même du Québec. Ah, il y a des Québécois. Ouais, je crois bien. Bah les Québécois, comment vous dire, vous aime beaucoup. Je suis là. On vous aime beaucoup. Donc Notre-Dame de Paris qui est entièrement recréée. YOLO YOLO. T'aurais pu m'attendre au moins que je regarde, remonte en... Ah, je t'ai vu tomber. Remonte qu'on montre un saut de la foi à la troisième personne. Attends, j'arrive. Donc, wow, comme je vous disais, c'est l'anarchie en bas, hein, c'est le bordel. Ils ont recréé l'intégralité de Notre-Dame à cette époque, à l'époque donc, de la Révolution française. C'est magnifique. Donc, alors vous allez pouvoir admirer un saut de la foi. Attends, Guillaume, non, je suis pas prêt. Je me mets là, à côté. Attends, je peux synchroniser avant? Ouais, si tu veux. Allez. Ah oui, il y en a deux, j'avais pas vu. On saute en même temps ou pas? Ça lag. C'est vrai? Ouais. Alors franchement, le jeu, nous, notre avis est super positif dessus, il est super, le seul souci c'est l'utilisation de Uplay qui rend le jeu assez infâme. Alors ça... Vraiment infâme. Ça... Il y a des tas de trucs qu'on peut pas faire et c'est assez embêtant. Tu sais qu'on a pas synchrono voix, hein? Ah oui, merde. Tu veux qu'on fasse ça maintenant? Non, c'est pas grave. On fera ça à la fin. Non mais je vois pas l'utilité, pourquoi t'as une webcam toi? Enfin t'as quoi? Ah non mais pour... Ah mais non, je suis con, tu règles ma voix. Oui, non, j'ai rien dit. Je suis bête. On saute en même temps? Vas-y, saute un tout petit peu avant pour que je te vois tomber et que j'essaie de te tomber dessus. Allez, 3, 2, 1, YOLO! YOLO! Oh, c'est énorme, je te vois tomber. Sors pas du truc! Je suis mort! Et on est mort. Allez, ah, c'est énorme. On va aller chercher la mission, donc la mission se trouve. Je me demandais si on pouvait aller à deux en même temps dans une botte de foin. Et bien maintenant, c'est trouvé. Allez, viens. J'ai fait que tu me repères juste à côté. Alors aussi un truc qui me désole, c'est qu'on ne peut plus plaquer les gens dans... Oups. On peut plus plaquer les gens dans la rue. Ouais, ou même les tuer, on peut pas. À part au flingue, mais à la dague, on peut pas. C'est assez dommage. Avant, on pouvait empoisonner les gens dans la rue, et c'était assez marrant. Ouais. Hop. Allez, on y va. Ouh, y'a la foule, là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de protester devant je sais pas qui. Ouais. Je tank. Ils brûlent des livres, j'ai l'impression. Ah, c'est un auto-dafé? Oh, le bordel. Je sais pas. Moi, je les vois qui dansent, à côté du feu. Alors, on va traverser la Seine, mais nous on est des gens qui... On y va à la nage? Ah non, il est là le gars. Qu'est-ce que j'ai... Ah voilà, la Marseillaise. C'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire. Tu l'entends la Marseillaise? Non. Attends, viens, on retourne à la place. Hein. Tu joues au casque ou pas? Attends, je accepte juste la mission, viens accepter la mission. Il y a des putains de chèvres. Mais non, mais moi je vais aller écouter la Marseillaise. Eh oui, mais tu l'acceptes et après on ira écouter un message, je t'assure. Mais putain, il y a des chèvres, mec. What? Des chèvres. Vas-y. Y'a des putains de chèvres. On y va. Vas-y, on va voir. Jusque dans... Oh non. What? Bah, vu que la mission a commencé, ça réinitialise la map pour ajouter les gars. Ah, tu l'as accepté, ça y est? Ouais, j'ai accepté. Ah, je croyais que... J'avais... T'as vu les chèvres? Bon, par contre, la grosse, grosse déception de ce jeu, clairement, c'est que on peut plus caresser les animaux dans la rue. Voilà. Clairement,
Pour moi, c'est ça la déception. Ah, c'est beau. C'est beau quand même. Oh, les bâtards. Ouais. Et donc, on se retrouve sur le toit de Notre-Dame. Y a pas un truc de fond en dessous? Toi, t'en as un, mais moi, je crois que j'en ai pas. Si je dois bien en avoir un. Bah, va sur le mien, au limite. Ouais, j'en ai pas. Non, mais regarde, je vais faire la descente libre. Regarde, filme-moi. Attends, je me suis fait cramer. YOLO! Ah, mais non! Putain, regarde! T'as vu le saut que j'ai fait? Mais tu comprends qu'on est mort. Mais t'as vu le saut que j'ai fait ou pas? Non, j'ai pas vu. Mais à partir du toit où j'étais, il a sauté dans la saute de fond. Dans la botte de fond. Mais il a fait un saut énorme. Le mec, il a fait 20 mètres. Il a fait 20 mètres en l'air. Ah non. Il tire encore sur moi. Je me barre. Mais t'es un bolos en même temps. Tu te fais tout le temps cramer. Mais excuse-moi, je suis allé en YOLO. Je pensais pas qu'ils étaient déjà dans le parc. Bah si. Il y a un pauvre mec affolé qui court partout là, je sais pas ce qu'il a. T'as prévu de monter au-dessus de Notre-Dame ou pas? Ok, je commence à les tuer. Ouais, bah j'arrive moi. J'essaie juste. Je suis caché moi. Allez hop, monte rapidement. Merde! T'as vu que par rapport aux autres Assassin's Creed, il y a aussi un autre truc là que je viens de remarquer. C'est que quand tu tues par exemple un ennemi et qu'il y a deux autres ennemis qui sont de dos devant lui, ouais. Et ben quand tu tues le mec, il t'entend donc il se retourne et il te grille. Alors qu'avant il te voyait pas. Voilà, alors qu'avant il te voyait pas. Ouais, alors attends, on va tenter le saut de la fin de l'infini. What the fuck? Ok, ils sont tous sur moi. Putain, il m'énerve à me tirer dessus. Attends, je vais saboter la cloche. Parce que ça m'éclate. Pourquoi je peux pas? Ah, t'as vu? Pour maximiser votre récompense, ne vous faites pas détecter. Ta gueule. Oh, l'enchaînement! C'est incroyable comment il enchaîne les mecs, Arnaud. Mais y a pas. Vas-y, de... je me heal parce qu'il me. Viens vite avec moi. Mais là, je suis toujours gris, hein. Là, ils me suivent. Hein. Non, tu ne m'as pas vu, il n'y avait personne. Oh, le 3-6. Le 3-6 qui leur met. On va essayer de l'assassiner sans qu'il nous voit. J'essaye de tuer quelques mecs dans le parc en passant. Oh, il les plaque contre les murs. Oh putain, il y a deux ennemis là. J'arrive pas à les semer, hein. J'arrive pas. C'est vrai? Ouais. Peut-être que je vais mettre une fumée. Oh, bah moi je suis... Oh non, je suis avec les chèvres. Et viens dans le bâtiment. Moi je suis. Attends, ça y est, je crois que je suis caché là. Ok, il y a un mec en dessous. Ils ont l'air d'être tous en dessous. Là je pense qu'il faut... Oh, il y a un mec en train de rouler une pelle là. Je pense qu'il faut rester en fufu hein, pour cette mission. Parce que pour voler les objets... Même moi je suis en fufu là. Je suis dans le bâtiment. Ou alors on massacre tout le monde et... Mais comment il m'a vu? Comment il m'a vu? Mais... Il a l'air d'avoir personne. Attends, je me mets au milieu des gens. Ça y est, je suis inconnu. Ok, là il y en a un. J'arrive. Hop, j'ai mis une poing. Je lui mets une balle. Un coffre. Ah mais non, c'est un coffre bleu, fais chier. Bah viens. J'arrive. Peux... Un remède, comment ça? Ah, j'ai fait trouver un remède. Ouf. Il vient de sauter et de l'assassiner, c'était magnifique. Ok, mais t'es où? Mais enfin, je te dis depuis tout à l'heure que je suis dans les endroits où il faut aller. T'es dans les souterrains là déjà? Ouais. Tu rentres par où? Par les côtés de la scène. Ou par le milieu ou par les côtés de la scène. Putain, ils m'ont encore vu, je crois. Est-ce qu'on a synchro la carte? T'es juste au-dessus de moi là. Est-ce qu'on a synchro ou pas? La map ouais. Est synchro, ouais. Ok, donc par où il faut rentrer? Ah d'accord, oui, t'as raison. C'est par la scène.
par au milieu. Oh merde. J'enlève la mini. Descends vite, descends à la scène, descends en bas. Attends, j'arrive. Même avec le marteau, il met des 360, le mec. J'essaie de venir t'aider. T'es où? Non, c'est bon. Tu sais, j'étais en train de regarder la mini-carte, et genre, j'enlève la mini-carte, le mec, il était devant moi, en train de me pointer. Attends, mais t'es rentré sans moi, là. Hop, voilà. Ouais, donc là, je viens d'un endroit, donc faut aller à gauche, je pense. En fait, attends, y'a un mec. On s'en fout. Y'a un mec. On va le poignarder. Vas-y. Plante-le. Voilà, hop. Alors, est-ce qu'on peut passer par là? Oh merde, du crochetage. On tente ou pas? Non, on est peut-être pas obligé de passer par là. Hein. Non, il est là l'objectif. Non, crochette pas, il est là l'objectif. C'est tellement plus simple que celle qu'on a fait avant. C'est vrai? Oh ouais. C'était 100 fois plus simple. J'ai l'impression que le truc que tu viens de crocheter, il te permet de passer par derrière. Alors vas-y. On essaye ou pas? Ou on leur saute dessus chacun un? Ouais, on fait ça. Ok, bien. Et j'ai peur qu'ils nous voient, hein. Je pense pas, ils sont un peu cons. Je saute sur celui qui est à côté du coffre, tu sautes sur l'autre. D'accord. T'es prêt? Ouais. Non mais tu peux pas là, tu vas sauter sur lequel? Non, c'est bon. Là. 1, 2, 3. Que c'est beau, c'est beau. C'est parfait. Hop, allez, j'entends. Moi, je le fouille. Le travail d'équipe, ça rend vraiment bien dans Assassin's Creed. Ouais, c'est vrai. Double assassinat synchro, 200 points credo, je sais pas si t'as vu. Hop là. T'as vu ou pas le truc qu'on a? Ouais, j'ai vu, il y a même des récompenses et tout, c'est dingue. Vous devez faire le secteur. Je te dis, tout à l'heure, il mettait que si tu te faisais pas repérer, t'avais... des récompenses supplémentaires. Plus de... Ouais, c'est ça. Faut qu'on arrive à sortir de là. Le viens, on se tire. Attends, y'a un pote qui m'appelle sur Skype. Ouais. Alors... J'envoie juste un rapide message, je reviens les gens, un instant. Skype. C'est pratique d'avoir des écrans. Je jouerai pas à LOL ce soir. Je suis sur AC5. Désolé. Hop. Alors. Ouf, il y a des gardes. Non, vous ne m'avez pas vu. Ça va pas être évident de s'enfuir. Hein. Bah si, moi je suis dehors, ça y est. Mais t'es passé par où? Bah par là, on est arrivé. Ah, t'es remonté en haut. Ouais, par contre. Ah mais, il faut carrément quitter toute la zone. Hein. La zone, elle est grande. Hein. J'ai tué le mec à la sortie. Oui, il faut carrément quitter toute la zone. Hein. Ok. Donc, Non, t'enfuis. On passe par la scène, ça devrait le faire. Merde. Il va me voir. Non, c'est bon. Ça te fait doucement ou de le poignarder? Si, je suis grillé. Mais de toute façon, c'est pas grave d'être grillé. Là, on rush. Non, le seul truc, c'est que j'ai peur qu'il me tire dessus. C'est bon, moi, je suis sur les toits, moi. Ça, c'est qui m'a vu? Putain, les déplacements sur les toits sont vraiment incroyables. Je suis au quartier Saint-Jacques, perso. Moi, je suis presque sorti, ça y est. Ouais, je suis... C'est bon. Ça y est, je suis sorti. Et moi, je suis de l'autre côté. Je suis sorti. La même. Ça y est. Hop, on continue? Ouais. Poursuite dans 25. Comment ça? Je sais pas. T'as vu que les gens, ils te reconnaissent. Là, j'ai encore Phanos à quitter la mission. Ah, c'est bizarre. C'est normal. Non, mais c'est normal, je crois. C'est pour dire que la mission est terminée. T'as vu que les gens, ils te... Oh, y'a un mec qui est en train de draguer une fille dans la rue. C'est vrai? Ouais. C'est kiffant. T'as vu que les gens, ils te connaissent, hein, souvent. Ouais, ils disent « Ah, pardon. » Ouais, t'as vu? Alors, on va essayer de faire laquelle. Laquelle est-ce qu'on n'a pas fait? C'est l'autre, là, la chaîne alimentaire. On l'a fait. Chaîne alimentaire, on y va? Ouais, on y va. Mais on y va sans se téléporter, hein. On y va à pied. Bah, attends. Je suis où? T'es sérieux? Faut qu'on traverse. C'est Assassin's Creed. Attends, bouge pas. Oh, y'a un voleur. Viens le nick. Attends. Mais t'es sérieux? Attends. Mais il lui met pas une balle. Ah, oups, il y avait écrit plaqué. Ah, une action Uplay est terminée. Ah, bah. Ouais. Peut-être qu'il fallait le faire. Hein. T'as vu comment on se pousse? Vas-y, tu cherches la merde. Non, moi je te vois pas, t'es derrière moi. Oui, mais je te pousse, justement. Mais non, t'es derrière moi. Oui, mais je te pousse. Non, mais t'es 5 mètres, enfin t'es 2 mètres derrière moi, quoi. Non, moi je suis collé à toi hein, sur mon écran. Oh, je t'ai niqué. Oui, là j'ai fait une connerie. Là, je te dépasse. Non, moi t'es toujours derrière.
Je suis devant toi là. Là t'es à égalité. Oh le 36. Y'a les gardes qui arrivent. Je me fais les gardes, tu te fais les patriotes. Non moi je suis un peu tout le monde. Oula, moi je m'en vais hein. Mais c'est kiffant parce que les patriotes ils se battent avec les gardes. Oh le 3-6. Démerde toi, hein, moi je suis parti hein. Ah non mais c'est bon hein. Ils sont tous morts hein. C'est ça. Ouais c'est bon. Ah je te dis le marteau il est violent hein. Oh madame tu cool. Merde je l'ai manqué. Donc en fait, pour vous expliquer, les mecs là en rouge qui se tapent avec les gardes et qui vous agressent dans la rue, c'est des patriotes, donc c'est, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de France, c'est genre les... Pendant la terreur, c'est ceux qui pensent toujours qu'il faut toujours être plus patriote et toujours plus contre la monarchie en fait. Parce que si donc, on vous met dans le contexte, en fait, c'est à la fin donc, de la monarchie française, donc lorsque le roi tombe à cause de la Révolution française, donc que la République s'installe. Mais la République est vite contrôlée par un homme qui s'appelle Robespierre et qui installe une monarchie. Et qui est un putain de templier. Qui installe donc une monarchie. Une monarchie non officielle. Parce qu'en fait, justement, il fait passer des idées comme quoi la monarchie c'est mal. Et tu vois toute personne qui est considérée comme royaliste est exécutée. Regarde-moi, t'es prêt? Vas-y. Je te montre le saut à plat ventre. Vas-y. Ah non, quoique. Non, va en face. Attends. C'est-à-dire en face. Attends, t'es prêt? Je vais te montrer, regarde. Regarde-moi. Je vais te montrer le saut à plat ventre. Là, on peut le faire là. On va voir. Ah donc tout simplement c'est la terreur, donc ils peuvent choper n'importe qui dans la rue et le frapper soi-disant parce qu'il est pas assez patriote. C'est vrai? Pas assez royal, enfin qu'il est royaliste. Ouah. T'as vu? Énorme. Essaye, c'est kiffant. Tu vas sur le toit en face, tu sautes un peu sur le bord et il va se rattraper à la corniche. Saute bien sur le bord. Hein. Mets-toi bien sur le bord du toit. Putain, y'a un événement public là. Voilà. Ouais, mets-toi là. Je crois que j'ai plus de balles. Oups. Non mais là je vais le faire. Vas-y, fais-le. Non, là, t'es trop loin. Mets-toi en face de moi. T'es trop loin, là. Non, c'est bon. Ah ouais. T'as vu? C'est kiffant. Bon, allez, on y va. Attends, c'est quoi? C'est tuer les gens, l'événement? Ouais, faut le buter. Ouf, il a pris cher. Allez, viens, on y va. Let's go. Il y a un truc aussi qui est kiffant, du coup, c'est la touche B. Pour vous courez, vous utilisez la touche B, il passe au-dessus des obstacles, etc. Voilà, par exemple, je vais vous montrer là, vous voyez, vous avez un obstacle, si jamais un type en B. Bon, d'accord, ça peut marcher sur ce coup-là, mais vous pouvez passer. Oui, c'était général, ça marchait pas sur la table. Là, par exemple, là. Hop, là. Non, mais ça marche pas. Ah bon? Pourtant, avant, tu pouvais glisser lors des cours poursuites, c'est assez bizarre. Bah ouais. On construit notre objectif. On va se faire une petite mission solo, une petite mission duo, encore une fois. Bah oui, ça marche plus. C'est ah si, là, ça marche là. Si, moi ça marchait là, sur une table. Donc c'est juste les petits obstacles, comme ça. Je pense, ouais. Oh, il fait des sauts de chat à travers les planches, etc. des fois. Regarde là, t'as vu? Quelle planche? Ah là. Là, il y avait un trou dans les planches et il faisait un petit truc. Alors, vas-y. Chaîne alimentaire, aider Théron et Domenico à mettre fin à une opération d'accaparement de vivres des Templiers. Eh bien, on y va. Allez. Recherche de joueurs. Comment ça, recherche de joueurs? Ah, t'es con, tu l'as lancé en public? Ah oui, merde. C'est pas grave, à la limite, non. Ah, non, on l'a fait à deux plutôt. Ouais, mais comment on quitte? Ouais, du coup, des fois, j'ai l'impression que je gueule un peu. Ah, tu m'éclates un peu les tympans, mais je passe à côté. J'essaie de parler moins fort. Il est bizarre, Tundra de Baker. Hein. Ah, c'est bon. Il a quitté. Oh, je l'étasse. Oh, pas mal. Pas mal. Du coup, on pourra peut-être la faire. On pourra peut-être la faire à deux, du coup. Peut-être. Ah, t'as vu, il y a sa vraie photo. T'as vu? À côté du personnage, au-dessus du nom, il y avait sa un vrai truc. Ouais, son vrai visage. Pas mal, hein. Ouais, donc tout va bien en gros, tout le monde est content, tout va pour le mieux. Moi je veux bien buter les Templiers. Okay. On est deux? On est trois. Mais il est où le 3? Tu le vois pas? Non. Ah, il est invisible! Mais non, moi je vous vois tous les trois. Il a un habit de. Bah, il a l'habit normal des duos, il a rien changé. Je pense qu'il vient de débuter. Moi par contre je suis bleu parce qu'il me dit en attendant d'autres joueurs et je peux rien faire.
Si, si, je te jure, je le vois. T'as vu la différence? Non, ça il arrive même pas. Ça vient de commencer. Il arrive même pas à me charger la vidéo. Ok, j'arrive là. Oula, oula. Il m'ouvre des ads là. Ok. Let's go. Comment lui avoue que quoi si je te pousse? Espèce de con. Eh, hey, tu bloques. Ninja. Oh fuck. Oh merde. Ok, donc là faut déjà trouver la meuf. Tu veux de l'aide? Non. Ok. Ça répond à ta question. Oui. Oh, attends. Il y a un étage là, je vais passer par là. Ok, donc je suis à l'étage au-dessus de toi. Ah ouais, une trappe, tu peux ouvrir ou pas? Attends, mais la meuf, on sait exactement où elle est ou faut la chercher dans une zone? Faut la chercher dans une zone verte. Ah oui, il y a une trappe. Tu peux l'ouvrir ou non? Pas? Non, on peut pas. Dommage. Il est pas mort, notre pote? Non. Mais non. Ouh, non, mais non, on le verrait s'il est mort. Je pense qu'il veut la chercher dans une zone. Attends, tu sais quoi, je regarde la carte. Oh, bien crate celle-là. Elle était sale. Il faut la chercher dans la zone là. Tu la vois la zone verte? Ouais. La chercher. Mais d'où ils m'ont grillé? Le truc, eux ils arrivent à me voir, moi je les vois même pas les mecs. Mais non, je me suis gouré de tout, j'ai mis une fumigène. T'inquiète, j'arrive. Je passe par le toit. Oula, oula, c'est un freeze. Ouais, ça arrive un gros freeze comme ça, moi aussi ça m'arrive. Ouais. Bah ça m'a aidé, du coup j'ai pu m'enfuir et les gardes ils étaient en freeze. Oh, du coup j'ai plus les brains. Attends, j'arrive, je suis là. C'est le mien, laisse-le moi. Mais j'ai freeze encore, je freeze putain. Là par contre on me tape. Hein. Réanime-moi s'il te plaît. Attends. Regarde le marteau comme il est violent. Regarde je peux pas voir, je peux pas voir, je suis mort, je peux pas bouger. Ouf. Ouf. Ouf le pauvre. En fait, les gars, faut les exécuter après qu'ils soient morts parce qu'en fait, ils ont un strabisme comme moi. Ah, mais merde, j'ai fait fouiller. Mais viens m'aider. T'as vu, il y a un mec qui nous a rejoint, hein, t'as vu? Ah bon? Ouais. Regarde, là, tu peux les exécuter. Et là, tu les finis. Oh, énorme. Attends, je vais essayer avec le marteau. Attends. Vas-y, essaye. Ah oui. Non, tu vas la dague. Ah ouais. C'est quand ils se tortillent par terre en fait. Ouais, peut-être que, mais peut-être que si tu les gagnes. Tu vois, il y a un autre mec qui nous a rejoint. Ouais. On l'a trouvé ou pas? Faut examiner un truc. Eh merde, conflit. Mais y'a plus de conflit, ça saute au smart. Bah, elle est où, Méricourt? Ouais, là-bas, à 80 mètres. Aucune idée. Oh putain, y'a un point de synchro là-bas. Bah, non, on a synchro la zone. Non mais tu le vois le... Non mais un point de sync, ouais. Attends, je vais voir. Merde, il est dedans, il est où? Il est pas en haut? Non. Je sais pas si c'est le premier qui le chope, qui l'a. On verra après, bien. Boum. Y'a plus personne. Non, je le trouve pas. Ou alors peut-être que c'est une action à faire à cet endroit. Peut-être. Ça m'étonnerait honnêtement. Ah non, il est là. Il est dans le bâtiment en fait. Il faut crocheter la porte. Ok. À lundi. Merde, j'ai 3 mecs sur moi. T'es où? Moi j'ai trouvé l'autre là. J'essaie de trouver le point de synchro mais je le trouve pas. Mais laisse tomber ton point de synchro et il va nous aider. Oh, je vais me faire niquer. Non, 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 non. Heal-toi, heal-toi, heal-toi. Con, mais je suis mort. Non, t'es vivant. Non, je suis mort. Je suis con. Mais pourquoi t'es resté à côté? Mais parce que j'ai essayé de me barrer, mais ça lag. Tu peux venir ou pas? Non. Mais ça va faire comment si je meurs?
Bah, t'es mort aussi ouais, moi aussi je viens de me faire buter. Alors pourtant j'envoie une fumigène. Juste la bise. À la limite on se désynchro mais... Tu crois que ça arrête la mission si on meurt? Non, honnêtement non. Est-ce que tu penses qu'il y a un chat? Oui, puisqu'il y a un mec qui a un micro. Ah non, un chat je sais pas. Mais il y a un mec qui a un micro là. Où est-ce que tu vois ça? Ça y est, je suis mort. T'as respawn? Non, je suis mort. Est-ce que t'as pas quitté là? Ça t'a pas fait quitter? Ah si, c'est bon, j'ai respawn. Bon, ça t'apprendra à rester. Ouais. Ah bah ils l'ont buté. Nous ferions mieux de ne pas traîner. Cela fait plus d'un mois que je suis ce groupe. Ils volent des chariots un peu partout dans la campagne. Les gens pensent que les paysans accumulent les vivres pour faire monter les prix. Mais c'est faux. L'assemblée ne m'a pas cru lorsque j'ai affirmé que d'autres œuvraient dans l'ombre. Elle a préféré résoudre le problème en imposant un prix du blé. Mais j'ai découvert qui manigançait tout ça. Madame Flavigny. Madame Flavigny. Bon, t'as prévu de faire quelque chose ou pas? Parce qu'on est censé te suivre. Mais j'ai découvert qui manigançait tout ça. Mais oui, mais on te suit. Oui, tu l'as déjà dit en fait. Ah, au hall, j'y étais tout à l'heure. C'est une imposture. Je suis heureuse que quelqu'un ait enfin décidé de m'aider. Seul, j'aurais été incapable de venir à bout de ces agents. Oui, on sait, on est trop fort. Tu es les bandits. D'accord. Déjà une sur cible, une sur cinq éliminée. Et le gars en jaune, il connaît la map. Ouais, je crois bien. Il va tous se les faire battre. Alors, il faut protéger Méricourt. Hein. Elle a une barre de vie. Là, j'en vois un là. Ah, attends, je vais mettre une putain de balle. Ah non, quoique, c'en est peut-être un, mais. On va voir. Je sais pas si c'en était un, mais il est mort. Bah, si tu vois le compteur qui monte, c'est que c'en était un. Ça n'était pas un. Ils sont en or, tu penses? Ils doivent être en or. Mais attends, mais ils sont dans quelle zone? Je suis retourné à mon point de synchro là. Je sais, je suis chiant. Mais. Enfin, mon point de. Ouais, de synchro. Ouais. Bon, allez, tu descends de ce toit s'il te plaît? Merci. Quoi, maintenant il faut tuer que deux bandits? Il faut de savoir. Mais il y en a d'autres. C'est différentes cibles. Ça y est, j'ai chopé le point de sync. C'est-à-dire? Je l'ai. Bah, je l'ai trouvé. Enfin, il suffisait de marcher dessus. Il suffisait de marcher dessus, c'est bon. Mais. Ezio. Enfin, Arthur, qu'est-ce que tu me fais là? Arthur? Enfin, Antoine, putain. Mais. Non, mais. Arnaud. Mais t'es con, tu le fais exprès. Non, je t'assure, je le fais pas exprès. Putain, mais. Les gars, vous débutez. Bon, je vais peut-être vous aider quand même. Ils sont morts? Tu les ah, bah c'est bon. Oui, c'est bon, ils sont. Il faut encore la suivre. Ah, il a accroché un truc, le mec. Bon, bah merci beaucoup. C'était inutile. Comment t'avouer que. Ouh, mais elle est en train de se battre la meuf. Venez, venez. Ouh, le coup de maillet dans les couilles. Je crois que je te les caisse. Enculé, je voulais le fouiller. Trop tard. Oula, il y en a un peu beaucoup là. Ils ont dit discrètement. Il y en a beaucoup. Oula, oula. Ouf. J'en ai un là, je vais me le faire au flingue. Vas-y.
parce qu'il est sur un toit. J'ai trollé le jaune, il allait le tuer, je lui ai mis une balle. C'est fini? Ouais, je crois bien. Ah non, de Templiers ce soir. Ah non. Ah oui, il faut aller voir Flavigny maintenant. Il est mort ou... Non, Jeanne. Hop, allez, on va les assassiner. C'est trop stylé de monter tous en groupe là. On va être 4 assassins, donc ça. C'est énorme. Lama ou pas? Non, on descend comme ça là. Lama. On est tous en train de galérer. Lama. Je veux descendre. Lama. What the fuck. C'est vraiment génial, hein. Ils ont rajouté tout ce qui manquait en fait. Vraiment. Le multi. Enfin, le multi dans le jeu, quoi. Ouais. Le truc pour descendre. Oh, il a encore fait le saut à plat ventre là. Mais il s'est rattrapé sur une espèce de corniche. Trop swag. Oh, il m'a fait un saut. Flavigny, c'est un mec ou c'est une fille? Mais qu'est-ce que j'en sais? Faut trouver les Templiers dans la zone. Essaye de rester discret. Bonsoir, laissez-moi passer. Non, mais ça n'est pas tous. J'ai trouvé. Non, il a une escorte, par contre. C'est moi ou tu t'es fait buter? Non, personne n'a vu là encore. Est-ce que je tue d'abord son escorte ou est-ce que je lui fonce dessus? Je lui fonce dessus. Non, il a tué son escorte. Ça y est. Non, il est pas mort. Attends, je mets une fume, ce cas. Attends, je lui tue. Il est mort. Je lui ai broyé la tête. Ça y est, il est mort. C'est bon? Attends, mais c'était bien lui? C'était lui. Un peu de la merde. Oh! Je me suis pris cap d'un coup. Oh, je vais mourir. Non, c'est bon. Bonne chance, mâchoire. Donc là, faut en tuer d'autres. Il l'a eu, je. Bonjour. What the fuck? C'est terminé. Il est en partie. Quoi? Mais comment? Le Japon. Il y avait un mec à la fenêtre. Je crois qu'il t'a mis une balle. Ah mais je l'ai pas vu. Je t'assure. Il y a un sniper à la fenêtre. Oh. Et voilà. Il m'a niqué aussi. Non, je suis vivant ou pas? Ouais. T'es vivant? Pour une raison que j'ignore. Tu fais quelque chose ou pas? Attends. Vas-y, je t'aime. Mais y'a pas la touche pour te réanimer. What the fuck? Bon, le jeu est encore un peu buggé, hein. Il reste. C'est bon. Ah putain, je suis mort. Le sniper? Ouais, le sniper. J'essaie de le trouver. Ah, le voilà, le sniper. Dépêche-toi. Hein. Mais. C'est bon, le verre il réanime. Ok, lui je l'ai eu. Ah, je les ai. T'es sûr? Attends. Là j'en ai un. Allez Arnaud! Mais il est pas mort. Parfois il est pas maniable Arnaud. Hein. Ouais, mais surtout pour les balcons en fait. Oh, ce que tu l'as mis au marteau! T'as vu? Oh, c'est la violence! Pour les balcons en fait qu'on a un peu de mal. Ouais.
Bon, on n'a plus qu'à s'enfuir. Hein. Ouais, c'est ça. Oh, oh, il m'a encore fait le saut de l'ange là. Moi aussi, on m'a fait un saut pas mal. Lama. Je suis sorti. Moi aussi, je suis sorti. Bah, ils nous font quoi les autres? Ils sont faibles. Ils sont faibles. Je peux te tirer dessus. Vas-y. Il me reste qu'une balle, je veux pas la gâcher. Bonsoir. Pourquoi il veut pas dégainer? Ah si. Bonsoir. Mais qu'est-ce que je fais avec mon marteau? Hop là. Tu sais faire ça toi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais pas faire ça avec ton marteau à vous, hein? Regarde. Donc comment tu fais ça? Hop là, allez. Tu veux qu'on en parle? Allez, allez, allez. Moi je fais ça. Je t'ai fait des petits 3-6 là. Ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Bon, ils savent pas jouer ou ça se passe comment? Can you get out please? Là, il y a une entrée de souterrain là. Oh, attends. Je vais m'acheter des trucs avec les points de sync. J'en ai 3 mec. J'en ai gagné 3. T'achètes quoi avec ça? Santé peut-être, je vais acheter. Ah non, ou alors le double assassinat. Il m'en manque un seul pour l'avoir. Ça j'aimerais bien parce qu'il y a plusieurs fois où ça m'aurait bien servi. De quoi, le double assassinat? Ouais. Mais tu l'as où ton putain de point de sync? Et je te dis, il était dans une grange. Ah. Il fallait aller dans la grange et tu l'avais. Une action UPI est terminée. Moi je... J'ai eu un marteau. Non, j'ai encore gagné 2 points de signe, j'ai 5. T'es sérieux? Ouais. Vas-y, je prends le double assassin. Ah, moi aussi. Je vais le prendre. Allez. C'est du... Ouais, il m'en reste un. Est-ce qu'il n'y a pas un truc à acheter avec un? Non, ça, ça coûte 2. Ouais, maintenant je vais économiser pour de la santé. Ah bon? Parce que... Bah ouais, t'as vu comment on prend cher. Ouais. Mais bon, on fait quoi? Aucune idée. I have no fucking... I have no fucking idea. Ah, viens, il y a un événement public en dessous. Ah bon? Il faut buter les criminels. Regarde ce saut. Ah, ah bah ton taré, il a exécuté le mec. Oh, succès déverrouillé, mort céleste. C'est-à-dire? Mais j'ai eu un succès Uplay, mort céleste, parce que c'est quand tu fais un assassinat genre de 20 ou 30 mètres de haut. Parce que là, j'ai fait un de ces bons. Tu penses, attends, je sais d'exécuter un garde comme ça. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire. Ah, ah, il y a un vol. Ah oui, ça j'ai vu. C'est des missions encore, mais c'est un truc spécial, c'est un truc de vol. Ah bah non, en fait, j'ai rien dit, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Attends. I have no fucking idea. Ah d'accord, non, c'est déjà ce qu'on a fait tout à l'heure, en fait, je savais pas si c'était un vol. Je crois qu'il y a un autre type de mission... Non, j'ai rien dit, il y a que 2 missions coop. Donc, je sais pas. Je sais pas, parce qu'on a déjà fait les 3. Faudrait qu'on essaye de trouver le lycée, hein, sur le jeu. Ouais. Je te jure, faudrait qu'on le fasse. Où est-ce qu'il est le château de Versailles à ton avis? Moi je vais essayer d'aller m'acheter une arme. Sinon il faudrait qu'on visite la zone pour essayer de débloquer une nouvelle mission. Attends, ouais. Je vais visiter la zone. Hop. Tu sais, moi... Attends, tu vas dans quelle zone? Je vais aller... Le Louvre, Tuileries, le Louvre. C'est où? Bah c'est juste à côté de toi. Regarde sur la mini-carte. Moi je vais de l'autre côté... Non, alors. Cité, ventre de Paris, moi, le Louvre. Moi je vais au-dessus, je vais à Porte Saint-Denis. Ventre de Paris. Ah ok, je vois. Ok, moi je vais aller au Louvre. Ok, on fait ça. On va essayer de chercher des missions. Ok.
Attends, faut focaliser les points de synchronisation. Faut se mettre des marqueurs. Hop, alors on va aller trouver l'espèce de point. On va explorer un peu Paris parce que c'est vrai que Paris est quand même une map ouverte. Ce qu'on avait jamais vu dans. Alors là c'est le Louvre. Et donc là Paris c'est vraiment la map ouverte la plus grande qui est jamais. Tu sais que ça m'affiche même. Ça fait que c'est assez dark. Non, j'ai rien dit, moi aussi je suis le Louvre là. Moi je suis aux Tuileries là. Ouais, moi aussi, mais je passe juste là, je me barre. Voilà même. Ah putain, il y a encore des patriotes qui font chier la populace. Allez. Oh merde. Hop là. Comment est-ce qu'on fait déjà le double assassinat? Oh mais il leur brise le crâne. Ah je suis à Vendôme là. Dans les quartiers de Vendôme. J'arrive où il vient de dire, je vais l'envoyer à Michel. J'ai entendu ça. Ah, il y a une cocarde là. Oh, c'est énorme, j'ai buté quelqu'un, il y a une dame qui a dit, oh, il y a un cadavre ici. T'as essayé de trouver un peu des cocardes ou pas? Moi j'en ai une là. Tu sais, c'est comme les... comme sur les autres Assassin's Creed, c'est les trucs spéciaux à trouver. Les petits objets, t'as les gens qui sont en train de se plaindre devant les Tuileries. Tu sais, t'as Marie-Antoinette et le roi qui habite là à cette époque là. Ouais, ah non, ils ont été enfermés là même. Oui, ils ont été normalement. Il est enfermé ou pas là, le roi? Je sais pas. Ah, oui, il est enfermé. Et je crois qu'après, il a essayé de s'enfuir vers Varennes. Ouais, mais ça dépend. On est en quelle année là? Aucune idée. On est en 89, toujours, tu crois? Ouais, c'est des fois, il y a des missions où tu sais, on est en 91 et tout ça. C'est quoi la mission qui est juste à côté de moi? Ah, il y a une mission double là. La machine infernale. Difficulté 3 sur 5. Alors qu'on est 1 sur 5 nous. Nice, on l'a fait. C'est une mission coop? Ouais, une coop. 2 joueurs max. Attends, tu peux attendre juste que j'aille synchro le point là parce que je suis pas. Moi aussi je vais synchro le point comme ça tu pourras TP. Ok, on fait ça. Hop, allez Arnaud. On monte. Faut que je monte en. Ouh! Ouh, j'ai fait un de ces sauts. Donc on espère que cette vidéo vous plaît. Voilà, ça change un peu, contrairement à ce qu'on fait d'habitude sur la chaîne. J'essaierai aussi de vous faire une vidéo sur Far Cry 4 parce que je l'ai précommandé aussi. Donc ça pourrait être sympa, mais le problème c'est que si ça fait comme sur Unity, ça va pas être possible. Parce que donc sur Unity, le problème c'était que quand je rec, en fait, ça faisait genre une image toutes les 10 secondes à peu près. Ce qui est plutôt embêtant. Après, c'est pas le même jeu, donc t'auras peut-être pas les mêmes problèmes, quoi. Parce que c'est vrai que Unity demande énormément, mais j'ai peur que Far Cry 4. À mon avis, Far Cry 4 demandera plus. Alors que mon PC est quand même. Est quand même ultra puissant. Bah, t'es plus puissant que moi, quoi. Enfin, on a la même carte graphique, mais j'ai un i5, puis un i7, donc en théorie. Il est plus performant, quoi. Mais bon. Et je veux dire, tous les jeux que j'ai toujours eu sur ce PC. Tu fais tout tourner en ultra. Je suis en ultra parce que je filme, je suis en très élevé, je crois. Moi, je suis en moyen. Je suis en moyen et le ça lag. Le jeu est pas si magnifique que ça, mine de rien. Oh, arrête. Arrête. Ah, quand tu regardes les textures au loin, elles sont un peu bancales. Oh non. J'essaie du crochetage. Quoi? C'est quoi cette difficulté de ouf? C'est quoi, je vais même pas essayer parce que. je vais niquer mes crochets. Il y a 3 goupilles, le truc il va à 500 km/h, c'est bon. Et ça, t'es pas à côté de moi? Attends, je synchro là. Oh, les Tuileries, elles sont super belles. Les synchros sont quand même magnifiques. Ouais, je suis en haut d'une tour en ruine. J'ai trouvé deux trucs. Je sais pas si tu peux TP à côté de moi. Tu penses que la synchro est partagée ou pas? Je vais voir. On va voir. Ah, la map est gigantesque. Bah ouais, ils ont recréé Paris, quoi. C'est dingue. Alors nous, en fait, on est des étudiants versaillais, donc apparemment ils ont aussi fait Versailles. Ouais. Donc on va essayer de trouver notre lycée, ce serait assez débar. Ouais. Oui, donc c'est bon, hein. Je peux me TP, je vois tout ton truc et tout. Ok, nickel. Eh bien, on va aller voir. Arrive. Donc attends, il y a deux possibilités. Ou on fait celle-ci, la machine infernale. Ouais. Ou on fait le sacrifice d'un danton. Donc le sacrifice c'est 3, celui-là c'est 3 aussi je crois, mais c'est. On va faire celui-là. Ah donc là on en a trouvé deux nouvelles. Ouais. Nice. Ah, je peux exécuter la partie pour tout le. T'es parti ou pas en partie?
Là c'est bon, j'y suis, hein, là c'est bon. Est-ce que t'es en chargement? Ouais. Mais tu t'es TP? Ouais. Bah, c'est Non mais là dommage. je suis en chargement pour la Ah, game là. ok. En fait, T'as bien lancé à on deux. peut la lancer sans être à côté, hein. Regarde ce motion track. On est en Oui. 1800, donc c'est-à-dire Ouais 10 je ans après la pense. Révolution. Donc ce qui est génial c'est aussi qu'on peut se. On peut déplacer comme on veut sur la map, quoi, on n'est pas obligé de rester à côté. Attends. Y a toujours des putains de meurtres dans les cinématiques. Ah, bâtard! Ah T'as vu, il y avait encore le tableau à côté. ouais, j'ai vu. Donc ça y est, on voit Napoléon. Mais c'est lui? Non, ça c'est les royalistes. Ouais. Mais attends. Mais ils sont rouges les royalistes. Ouais. Est-ce que tu... Mais non, je me suis pas gouré, ils Oh, disaient faut bien qu'on les protège patriotistes. Bonaparte. Énorme. Mais c'est des patriotistes ou des royalistes les mecs en C'est rouge? la même chose. Je sais plus alors. Non. Si, si. Non, les mecs en rouge, c'est des extrêmes contre la... Qu'est-ce qu'il y a? Enfin, contre la monarchie. C'est des... Ok, faut éliminer les snipers. Non, il y en a qui sont à 100% pour la révolution. Merde, je suis grillé. Je peux être d'ici un quart d'heure, 10 minutes? Romain, tu veux bien venir m'aider, s'il te plaît? Allez, deux secondes, Guillaume, j'arrive. Alors, Je vais mourir là. mais qu'est-ce que tu fais? Grouille, Romain! Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis pas là! Mais grouille! Putain, ça one-shot pas le flingue! Ouf! Tu sais, les royalistes, c'est ceux qui sont pour la monarchie à fond. Et les patriotistes, c'est l'inverse. C'est ceux qui sont contre la monarchie. Vite, faut tuer le deuxième. Il est où le deuxième? Vite, il arrive Napoléon. Il va se faire shooter. Vite. C'est bon, je l'ai tué. Ok, je vais autre. Je vais à celle d'après. Vraiment. Je l'ai eu. Ouf, merde. Faut que je le tue. Ouais, vite. Mais passe par la fenêtre. Mais le gars devant moi, il a tiré, je pouvais pas rentrer. Fuck. Ouais, mais il mettait Ok. bien que la difficulté était chaude. Ouais, c'est pas évident. Bon, Faut moi vraiment je qu'on vais soit dire. parti sur une partie de la rue chacun. En vrai. Ouais. Je pense que faut vraiment rusher en fait. Ok, on fonce. Les assassins veulent que vous protégiez Ok. mon appart et que vous Moi je vais à droite, toi à gauche. commencez par éliminer les snipers Ok. posés sur le trajet de Bonaparte. Ouais, ils m'ont même pas grillé. Voilà, même. Alors que le mec, il était juste derrière et il surveillait le sniper. Merde, le gars est là. Allez, descends! Mais descends, Arnaud! Là, par contre, ils étaient obligés de me griller là. Mais c'est bon, j'ai réussi à l'avoir. Allez, faut que je le bute. Moi, je suis déjà au troisième là. Attends, j'arrive pas à le buter. Je crois que c'est bon, je l'ai eu. Je suis déjà au quatrième. Ils m'ont buté. Viens. Merde, il faut rester près de la cible. Ils m'ont buté, gars. Viens. T'es loin ou pas? Non, c'est bon, j'arrive. Non, je suis très loin. Fais gaffe, y a pas de monde. T'es dedans? T'es dans le bâtiment Je là? suis juste à la fenêtre. Pas au premier étage. Attends, les gars, ils s'en vont. Vas-y, je me suis fait avoir. Je crois que j'ai buté le tireur. T'es où? Vas-y, le moi, qu'est-ce que tu fais? Merci. Allez, faut se grouiller. Hein. Et il faut rester près de la cible là. On peut pas partir trop devant. Il est où? Ouf!
Bonaparte. Il est derrière, il est loin derrière, je crois. C'est vrai? Ok, je me charge de celui qui est dans la maison. Vite, vite, vite. Merde, mais il reste un sniper. Mais fais celui qui est sur le toit. C'est bon, j'ai eu celui dans la maison. T'as tué celui au-dessus? Bonaparte, il est parti dans une autre direction. Merde, il est dedans. Il est dedans, en fait. Il est à l'intérieur. Ok, j'ai trouvé. J'ai trouvé le balcon pour... Oh, le bolos. Arnaud, il a sauté sur le mauvais. C'est bon, je pense qu'on a le temps. Ah, encore un succès. Eh, hey, mais y'a un truc. Arnaud, je sais, par contre, il est pas maniable parfois, c'est un truc de fou. Merde, je suis à l'étage en dessous. Il est juste au-dessus de moi. Oh putain, j'ai pas réussi à l'avoir. C'est bon, il est juste devant moi, il est juste devant moi. Mais Arnaud, il arrive pas à rentrer. Mais rentre, rentre. T'as vu, c'est insupportable ça. Rentre dans la fenêtre. C'est bon, je l'ai eu. Ok, vite, on passe au suivant. Je l'ai eu. Ok, nice. Attends, j'essaye de voir où est Napoléon. J'arrive pas à le voir. Il doit être loin derrière. Non, juste en dessous de moi. Hop. Je le vois même pas, hein, Napoléon. Oh merde. Oh non. C'est dégueulasse. Vas-y, on le refait. On était trop en avance. Ouais. On était trop en avance. Pour une fois qu'on arrive à faire une mission en avance. Putain, j'y crois pas. C'est dégueulasse. Ouais, j'ai. Ok, donc faut aussi surveiller sa progression. Hein. Taisez-vous, malheureux. On fait comme d'habitude, je passe à gauche, tu passes à droite. Ouais. Enfin, comme d'habitude, comme avant, quoi. Ouais, comme avant. Bon, par contre, Arnaud est un peu autiste parfois dans ses déplacements. Faut qu'on reste à côté de Bonaparte. Hein. C'est bon, j'ai eu le deuxième. Wow, on se calme, les mecs. Oula, je me fais shooter. Napoléon est toujours pas arrivé, hein. Faut pas qu'on aille trop vite. Ouais. Ou alors on tue les snipers et puis on retourne en arrière. Juste en dessous de moi, apparemment. Ouh, je me fais tirer dessus. Ouais. Ouais, je vais y aller. Mais. Ok. Non. Si je vais dans la maison, on va être des synchros. Attends, il y en a un qui va tirer dessus. Bouge pas, je le tue. Bouge pas. C'est bon, il est mort. Non, il est pas mort. Mais il tirera pas dessus. Il est mort. Moi, j'ai mis une fumigène là parce que sinon. Moi, par contre, je vais devoir y aller. C'est à dire? Bah, en fait, je pars ce soir. Ah merde. Ouais. Je viens de la prendre. Putain, mais ils sont résistants, les ennemis. T'as vu, c'est impressionnant. Mais c'est des ennemis 3, on est 1. Merde, il arrive, Napoléon. Ah, merde. Vite, on passe au suivant. C'est bon, j'en ai eu un. Je vais essayer de trouver le deuxième. Ouh. Ouais, je suis en train de prendre la salle où t'étais là. Il va sortir un de ces trucs. Ouais, faut trouver. Le deuxième, faut le trouver. Il est dans la maison là, normalement. Merde, il est où? Il est là, j'ai trouvé. J'ai le buté. J'ai buté. Ça y est. Ouais, enfin, je crois. Ouais, c'est bon. Merde, j'ai plus de potions. Un 4 gelé. Tu l'as que d'abord. C'est bon, je l'ai eu. T'es sûr? Oui, il est mort. Ok, je l'ai buté, c'est dans dessous. Merde, il m'a eu. Viens vite. Je suis là. Saute sur lui, assassine-le. Non, trop tard, ils m'ont vu. Vite, il va le tirer. Vas-y, assassine-le. Il m'a vu. Mais pourquoi t'es sur le mur? Vas-y. Oui, vas-y, ranime-moi. Il va me taper. Ranime-moi.
Attends, on va. On a réussi. Ok, on s'enfuit vite. Yo les gens, c'est TipZombie. Donc en fait on n'a jamais pu finir la mission que vous êtes en train de voir parce que Guillaume a dû déconnecter parce qu'il devait partir. Donc en tout cas j'espère que cette petite série sur Assassin's Creed vous aura plu. C'est vrai que c'est complètement différent que ce qu'on fait d'habitude. C'est un autre jeu, c'est pas du tout du Call of. Donc si ça vous plaît des vidéos un peu plus en dehors comme ça de Call of, qu'on change un petit peu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Donc encore une fois, si vous avez regardé la vidéo, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un j'aime, à commenter. Je suis obligé de vous applaudir si vous avez réussi à regarder 2 heures de vidéo, parce que franchement, ça devait être long. Mais bon, en tout cas, merci d'avoir regardé. C'était TipZombie, salut les gens, peace.